L'image, je vous la montrerai après, enfin je la posterai en Twitch, je pense. L'image est terrifiante de ce que ça a produit. Hein. Et tu sais que ça m'est arrivé il n'y a pas longtemps, moi aussi, sur Elite Dangerous en plus. Pourtant, il est assez stable comme jeu, enfin, j'ai jamais eu trop de gros problèmes. Genre, je jouais, mes deux écrans se sont éteints, ma musique s'est coupée Oh et putain. ça a reset mes paramètres audio sur Windows. C'est-à-dire Oh que le là là son là voulait là. sortir de mon casque, il était censé sortir de mon écran. J'avais un problème sur Punk Buster à l'époque de Battlefield 2, où n'importe quel serveur qui tournait sur Punk Buster me faisait crasher mon PC. Et j'avais des problèmes un peu avec, comme le son, comme les problèmes de son quand t'as un blue screen à l'ancienne, ça fait rrr, tu vois ce que je veux Ouais, dire? ouais, 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 ouais. Sauf que là, les sons se mettaient les uns au-dessus des autres. Donc ça faisait rrr, comme ça, juste ultra fort Oh pour putain. arriver jusqu'à ce que ça sature de ouf. Et quand j'étais petit, j'avais une phobie du bruit, tu vois. Et Bah, mais même aujourd'hui, ça mec, hein. me. Ouais, je peux Non, comprendre, ouais. Et ça me terrifiait. Et du coup, je jouais pas à BF2 en multi, mec. ça fait longtemps que j'avais pas eu un bug comme ça. Et Allez, du coup, on a perdu Flint. Flint, ouais, raconte! en mémoire, je vais juste recommencer en deux spies et puis on reprendra là où on s'est arrêté. Grosse mâchoire. Grosse mâchoire. Voilà. Vraiment. Je m'en fous. Alors, Enfin, allez, mec, Flint, raconte! vraiment, je m'en fous de pas jouer. Je veux finir le perso. Je m'amuse tellement, mec. Au moins commencer la dynastie, tu C'est hilarant, vraiment. Oh là là. vois. En plus, sa moustache, on aurait dit un guidon de chopper. Mec, Il est fait pour sillonner les autoroutes, tu vois. non mais il est pour traverser le monde et féconder femme et seulement femme c'est parce que Ouais, seulement femme, il vaut mieux que t'arrêtes la phrase là parce que. ouais, il y avait une suite mais elle était pas super. Ouais, pas dans ce contexte en tout cas. L'ordi n'a pu contenir une telle beauté créatrice. Ça Le fait groupe? longtemps qu'ils n'ont pas sorti de Oh morceaux en putain. plus d'ordi, alors je sais pas exactement si. Grands esprits se rencontrent. La dernière que j'ai entendue, c'était Hug You Hardcore, elle était pas ouf. La dernière fois que je les ai vus, c'était au. L'Eurovision 2006, ouais. Ouais! Et c'est tout! C'était bien, ça me rappelait Gwar. La bonne époque! Ouais, alors Gwar, c'est pas forcément la bonne époque, Je sais pas, je mais ça connais me pas fait donc. rien d'autre. Mais c'est un peu le même genre que l'ordi. Mais ils sont vraiment déguisés, mais de malades. Vraiment de malades mentales. Ils ont des putains d'armures gigantesques en carton, en papier mâché, en latex et tout. Des gros stubs, etc. Leur guitare, elle ressemble à n'importe quoi. Ils font tous 3 mètres parce qu'ils sont tous sur des échasses. Et c'est ultra violent tout le temps ce qu'ils font. Mais c'est fait sur le côté un peu parodique, un peu con. Et j'ai jamais trop compris pourquoi ils se faisaient un peu fustiger par tout le monde. Mais je crois que c'est parce que justement, ils font un peu des trucs rigolos. Et ça gonfle, tu sais, les trous métalleux, ils aiment pas, tu vois. Ouais, ah bah bien, ah bah le Ils aiment pas l'humour, gatekeeping si tu donc. veux. Attends. Mais il y a quoi qu'ils aiment bien les. Ah, si Spider serait Reggae là, mineur. Ouais, voilà. par Reggae des exemple. mineurs dans des festivals. Montrer son cul, s'habiller en banane. Quoi d'autre? Pas aimer le rap, c'est Non, c'est important. tout. Ouais, pas aimer le rap. Pas aimer autre chose que le métal, d'ailleurs. Aussi, ouais. Alors que franchement, Julien Doré. Ouais. Mec, non, mais fin, me lance pas là-dessus, quoi. Mylène Farmer. Mec. Oh, c'est pareil. Si t'es pas Liberty, n'est pas une catin, ça sert à rien. Aucun intérêt. Mais pourquoi je vois une femme? Aucun intérêt. J'ai rien dit, Elle joue Mylène Farmer. hein. C'est quoi ton problème? Hop. J'avais mis. Ah mais en plus, ton perso, il avait 20 piges. Oui, ouais. Mais 20 ans dans son âge de démon, en fait, il en a 7 Ah, millions de l'autre côté, tu mais t'as vu ça? Genre, 17 ans, 18. Ah oui, mais comme en vrai? Exactement comme en vrai, mec. Moi, j'ai eu ça à 16 ans, donc bon. Je suis né avec. Oh, la chance. Moi, j'ai galéré, hein. Je galère toujours, moi, donc. J'avais mis quoi d'autre? Merde. Ah, si j'avais mis honnête. J'avais mis honnête? Non, j'ai pas mis honnête. Non, j'avais mis content, voilà, plutôt. Ça me paraît mieux. Content. Ah, le logo en plus avec le mec, j'ai bien mangé, je suis content. Ouais, bah C'est génial. Et Ah, c'est pas un mauvais trait, Lubrique, apparemment. Ok. Bah, ça dépend de. C'est ça. Ça dépend.
En Inde, c'est tranquille, hein. Ah oui. Quand t'es un homme en Inde, lubrique, c'est une valeur ajoutée, ouais. Une obligation, en fait. Ouais. Ça te donne un droit de lapidation sur beaucoup de gens, en fait. J'ai mis fornicateur. Pourquoi t'as fait Nota Bene Noir? Putain, mec. La tragédie de Darth Nota Bene. The Wise. J'ai mis déviant aussi. C'est vrai qu'il est wise, Nota Bene. Voilà, fait con. Surtout, il a des yeux, Nota Bene. Ah oui. Il a des ça, yeux, et mon gars, quels yeux, quoi. Ah ouais, ça, alors ça... Je pense c'est bâtard. Mais moi, ça m'énerve. Il devrait laisser des yeux à d'autres gens, parce que ça sert à rien. Ça va lui servir à quoi, c'est des yeux comme ça? Hop. À voir, je crois, je suis pas certain. Non, mais pas juste. Parce que moi, j'ai les yeux de merde, mais il voit bien aussi, tu vois. Sauf que lui, il a les yeux... Mais en plus, ils sont custos, mais alors c'est des yeux SS+, quoi, tu vois. Oh, la chance. Pas tous gagnés à la loterie. Que veux-tu? Je suis avec des yeux bleus, là. Putain. Après, yeux bleus, est-ce que c'est pas un peu... Genre... Pas normie, tu vois, mais genre... Non. Comment? Les yeux marrons, c'est normie, mec. Oui, les yeux marrons, c'est normie, mais genre. Un peu trop bon. Yeux bleus, c'est ce que les normies veulent, tu vois. Les vrais bonhommes, ils veulent des yeux verrons, tu vois. Ah ouais, d'accord, ouais. Ils veulent directement du David Bowie, en fait. Bah ben oui. Ouais, je comprends. Putain, tu l'as fait encore plus chunk, mec. Je propose de l'appeler Toblerone premier. Mais enfin, vraiment, je pourrais passer des streams entiers à juste personnaliser des trucs, quoi. C'est une pyramide de charisme, ce mec. Ah, largeur du cou maximum. Fais une grue, mec. Enfin, fais un tractopelle. Vraiment, ça m'éteint. Ça... Oh. Non, pas longueur, pas longueur. Ouais, non, je voulais juste voir, mais. Ah non, mais lui, mon gars. Oh la vache. C'est quoi, leur Père Noël, il est comme ça Je crois. Hein. Il leur amène de l'eau du Gange. Oh, on dirait un elfe. Non. Non. Non, enfin. Non. les oreilles, j'entends. Ouais, ouais, alors peut-être, hein. Mais alors, le reste, non. Hein. Enfin, lui aussi, du coup, il entend bien, tu vas me dire, mais... Je le vois pas marcher sur de la neige sans la faire fondre. Hein. Ouais, plus un centaure, en fait. Et de ouf. Non, un minotaure. Non, j'en ai essayé les joues rondes. C'est quoi comme trait qui... c'est pas genre herculéen le trait qu'il faut avoir? Si. Ton perso, il fait 8 mètres, c'est ça? Pour bah, t'es parfait, quoi, herculéen. Non, je joue comme le corps d'un Jafar, en fait. Plus ou moins. Oh, le mec qui a pas dormi depuis 50 ans, quoi. Ah bah attends, la guerre, ça tient réveillé, hein. Yes. Ok, on est bon. Je pensais jamais voir de mon vivant Gimli indien, mais il me plaît. Oh, je me le fais encore plus vénère, quoi. Ah, comme ça, là. Comme ça, il est bien. Oh, la vache. Il a la même moustache et les mêmes joues que mon oncle. C'est marrant, j'avais attends. Jamais vu avant... Quelqu'un qui ressemblait autant à un Ford F-150. Ah, il est ouf. Juste par... voilà, hop, juste au cas où. Ouais, il est incroyable. Hop, des petits détails. Tractopelle Toblerone le premier. De la maison Caterpillar. La noble maison Caterpillar. Oh. Attends, il a trop de barbe. Attends, je vais le voir sans barbe. Oh, grand Dieu! Tu peux voir? La colonne de chair. Mec, c'est un atronac de chair dans tes os, s'il te plaît. Oh, le golem. Remets. Oh, le golem. Non, faut que je finisse avant. Oh, gogouillé.
Mec, on dirait un petit peu Christian Clavier. Un mix entre Christian Clavier et Pierre Ménez. Oh, hey, putain, non, sans menton, je suis désolé, ça me fait... Non, c'est pas possible. Il a une barbe de chair. Mec, comme le roi des gobelins dans Le Hobbit. Oh putain. C'est pareil, où il a une espèce de barbe fait uniquement en double menton. En fait. Vraiment, la longueur du cou, on dirait que tu descends de l'immeuble. Ouais. Clunk. On lui retire une vertèbre, en fait. Non mais bah, c'est vraiment trop trop marrant. J'ai trouvé ça hilarant. Voilà, hop, déjà le coup. Oh non, non, quand même, s'il te plaît. Ouais, oh là. Je suis fan. Voilà. Moi jamais je l'affronte. Hein. Structure de visage, on avait fini. Ouais, les yeux. Mais il accepterait même pas t'affronter, je pense. Bah, oui, qui que ce soit d'entre nous, hein. Ça lui sert à rien, fait. Qu'est-ce qu'il a à prouver, monsieur? Oui, ah, oh, on peut pas mettre pas de sourcils. Je me comprends. Même ça change rien en fait, les sourcils. Non, c'est un petit peu de texture. Là, on dirait le roi des gobelins, mec. Non, mec, c'est. Non, pas Scratch, dans l'âge de glace. Sid, ouais. Sid, pardon. Ouais, oh, bah, oh dis donc. Oh, on dirait le même des doutes. Oh, il est génial. Je sais même pas c'est quoi. Je sais même pas c'est quoi le normal. C'est pas grave. Franchement, exprime-toi, quoi. Attends, quoi, dilatation des paupières? Regarde ce chunk. Oh. Mais il en a pas de paupières, ça sert à rien. Mec, regarde, t'es fin. Oh. Ouais, enfin. Oh, mec. Oh, détail, il est beau. Mais ouais, parce que c'est la petite dinde. Oh, le démoniste! Oh, le démoniste, mec! Ses yeux sont imperméables au flashbang maintenant. Ah, mais le nécromant, quoi! Non, non, épée et à fond, s'il te plaît! Oh, bah! Ah oui, bah oui. Non, parce que oui, bah oui, enfin... J'adore. Il sent ta présence. C'est pas... C'est pas... Là, c'est... Mec, c'est la sagesse incarnée. Mec, on dirait... Pipin dans Berserk, en très gros. En très très gros. Nous rompichâme. De toute façon, il sent ta présence, c'est pas la peine de genre... des yeux. Enfin, plus tu lèves la hauteur des yeux, plus il est sage, genre... Ouais. Bien sûr. En fait, il sent ta présence et il sait quel goût tu as pour te voir. Mec. Pourquoi ça lui a grandi ses oreilles? Tous ses sens ont pris forme. On dirait un perso de Dragon Ball. Attends, parce que là j'ai un peu tout niqué. C'est plus souvent des yeux. Oh, oui. Oh, oh, oh mec. Oh, oh ouais, les yeux ouverts à fond. Oh, oh l'icône du péché, quoi. Oh, dans les deux cas, il est terrifiant. Dans les deux cas, mec, il me fait peur. Oh, mec. Non. On dirait que ses yeux ils tiennent à rien, c'est horrible, c'est incroyable. Imagine Toblerone. Imagine Pierre Ménès. Oh, ok, mec. Maintenant le pif. Ok. Hop. Certaines options, quand tu changes le pif, ça change ses joues. Ouais, bah c'est nasolabial, du coup c'est les traits décotés, quoi. Mais ouais. Oui. 23 ans et oh la vache. Oh le nez albator. Sur le côté, enfin, l'image du... Enfin les deux images me font vraiment très très beaucoup rire. Décontenancé le mec. Hein. Mais de face il est un petit peu décontenancé. Non, justement de profil il est décontenancé, mais de face... Il est cruel. Oui, clairement. Non, moi je veux une vraie bosse. Au Gargamel.
On dirait Nurgle, c'est un des rois du chaos de Warhammer 40K. De ouf, mais carrément, mais. Oh là là. Bien sûr que c'est Nurgle. Attends, Nurgle, c'est quoi? C'est les trucs dégueulasses ou c'est le cul? Non, c'est les trucs dégueulasses. C'est le truc dégueulasse, c'est le gros cul là. Ouais. Qui est dans un chaudron à moitié là, non? Ouais, ouais. Ou qui a plein de pattes ou je sais pas quoi là. Ah, mais je confonds peut-être avec le truc de Monstre et Compagnie. Comment il s'appelle? Tu sais, l'homme crabe araignée à la fin de Monstre et Compagnie, là, le directeur. Oh la vache, le pif. Oh, il se Depardieu, Ease. Plus ça avance, plus il ressemble à Depardieu, mec. Non, ça c'est le nez de. Ça c'est le nez legit de Depardieu, par contre. On me l'a, ouais, fait pas, moi. Plus de Cyrano, mais ouais. Oui, aussi. C'est marrant, il est en Inde, mais son nez va jusqu'en Malaisie. Oh la vache. Il a un nez à 380 poteaux aussi. Alors mec, si le nez c'est représentatif de la taille de la tub, j'ai pas hâte. Hein. Oh là là, oh là là, la maxi ding dong. C'est un cap, ouais. Que dis-je? C'est une péninsule. Oh, dis donc, on m'a volé mon goûter. Oh, il y a plus de curry. Quelqu'un a fini tout le curry. Quelqu'un a fini tout le curry. Oh non, tout en haut on dirait Maïté. La bouche tout en haut on dirait Maïté. Oh non, il va avaler des oiseaux encore. Il va mais c'est pas il slurp les anguilles comme des spaghettis là. Hein. C'est terrifiant. Oh putain. Ah non, il a une idée derrière la tête lui, j'ai pas envie de savoir ce que c'est. Oh. Il va sucer un aigle royal, mec. Ben oui. Mais il a un petit côté Palpatine. Mais en gros. C'est les yeux, ça. Do it. Ah, le filtre, il est beau, c'est en ça, tout cas. Il est très, très beau. Ouais, ouais. Et j'aime bien le fait qu'il soit. Que son visage représente un péché capital, en fait. C'est quand même... clairement ça, quoi. Que son visage représente les péchés capitaux. Les péchés capitaux. Mais si Shrek, en fait. Oh, mec, c'est vraiment Shrek. Pour le coup, c'est vraiment Shrek, mec. Somebody once told me. L'orgue de Elder Scrolls. Oh, la coupe au bol. Putain. Oh là là, non. Toutes les coiffures sont plus incroyables les unes que les autres, mec. Je suis étonné de... Oh là là. Naturel très long, on dirait Corpse Grinder de Cannibal Corpse, et j'aime bien l'idée. Oh, regarde-le. Oh, le dégradé romain. Oh, c'est le genre à chanter I Come Blood. Oh non, mec, le bol bouclé, il est incroyable. Je l'aime vraiment beaucoup, le bol bouclé. Hein. C'est fou. Oh, l'horreur de la nature. Ah, on dirait qu'il a un vieil abat-jour. Ah, si on va pas le mettre sans barbe, quand même. Oh, le nain. Bah, voilà, maintenant, c'est un nain. C'est le God Hand avec les mains jointes. Oui, oui, oui. Oh mais hey, c'est des belles beubards ça par contre. Hein. Ouais non, par contre elles sont vraiment belles. Franchement c'est loin de Assassin's Creed Valhalla. Hein. Oh mec. Oh mais elle est trop stylée celle-là. La barbe perlée, j'aime beaucoup. La barbe perlée elle déboîte, ouais. La barbe raide et pointue, je crois, pour le coup ça fait vraiment Cyrano de Bergerac. Merde, elle est où? Barbe raide et pointue, je crois que c'est celle-là. Un peu vers le bas, moitié bas. Ah bah, pointu ondulé. Non, barbe raide et pointu. Ah oui, pardon. Avec le pif, hein. Ouais, c'est longue barbe raide. Non, barbe raide et pointu. Attends, je suis fatigué, je le... Oui, je vois. Ondulé, là, tu dis, t'es passé devant. Il ou deux fois, même. Ah, raide et pointu. Ah oui, ah oui, ah bah oui. C'est vraiment, c'est un cap. C'est une péninsule. Moustache avec pattes. Bah attends, rien que la moustache déjà il me terrifie. Avec la moustache il fait mexicain en fait. Il est pas moustache pâte, si. Si, tout en bas. Enfin. Ah, oui, troisième en bas. Ouais. Ah ouais, enfin un mec, oh là là. Mais c'est ça que t'avais au début, c'est ça la moustache de Chopper là. Ah oh, putain. C'est le père du crasse.
On fait petite barbe ou grosse barbe du coup? Je sais pas si on veut voir son. Moi j'aimerais bien grosse barbe, j'aimerais bien que tu fasses Gargantua, tu vois, enfin le gars qui mange des gens, tu vois. Moi j'aime bien foutre la barbe perlée. Tu la trouves vraiment jolie. Ouais, de ouf. Bah, je suis aveugle. Ouais, moitié, vers la moitié, mais un peu vers le bas. J'ai vu perler. Oui, là, voilà. Hop. Voilà, validé l'apparence. Oh, le stonk. Oh, mec, le frigo, quoi. 23 ans, je rappelle. Vas-y. 23 ans. Hein. On l'appelle comment? je sais même pas. Il y a prénom et nom, hein. Donc là, on peut y aller. Sur le chat, comment on l'appelle sur le chat? Ah oui, non, mais je pense que ouais, j'ai réussi à capter et retranscrire la. Malteser Twix le cruel. Comment je pourrais faire sonner ça un petit peu indien, indie, tu vois? C'est comment les noms? Bah, à part Ganesh, si tu veux, j'ai rien donc. Ça finit en esh en fait, c'est Rajesh. Patel. Maltesesh. Maltesesh. Ouais, Maltesesh, c'est chaud. Hein. Michoko. Michoko. Maltesesh. Et si c'est Ganesh June. Ce serait quoi le nom de notre dynastie du coup? Je suis en train de chercher le nom du. Attends, du, est-ce que t'as vu le nom aléatoire qui m'est proposé? Tamoul. Non, c'est le nom. Ça, c'est le nom de la langue. C'est en Inde, à cette époque-là, j'imagine, il parlait le tamoul. Ah oui, le tamoul. Grajesh. Grajesh, c'est marrant. Cherche-toi, je suis en train de chercher le plus gros. Comment trou noir connu. Oh oui. Oh, une petite blague scientifique, j'aime bien. Et apparemment, ce serait Markarian. Markarian. M-A-R-K-A-R-I-A-N. Markarian, d'accord, comme ça se prononce. M-A-R-K-A. Markarian. Attends, j'en vois un autre là. Markariesh, ça passe, hein. Ouais, Markariesh, j'aime bien, moi. Maltesesh of Markariesh. Ça fait un peu Marrakech, Malteser, en fait, j'aime bien. Et il est superbe. Ah, mais je prends encore mieux, Iron Man. Malheureusement, on peut pas nommer son pays, mais bon. Pas tout avoir dans la vie. Bah écoute. Hein. C'est bon. On verra. Son mec, enfin, genre, il y a vraiment une chance très très basse d'avoir homo, bisexuel ou asexuel. Enfin, sérieux. Mais il est polysexuel. Tant que ça se mange, je pense qu'il est sexuel en fait. Ouais, ouais. Ouais, confirmé. Oh là là. Oh mec. Mais il me recouvre. Oh, il est incroyable. Il me recouvre la date, c'est incroyable. Ah, il est incroyable. Le bulldozer, eh, j'ai trop hâte, mec. La prestance. Ah, mais mec, moi, je joue pas avec lui, je suis impressionné. Hein. Et B, on est parti, hein. Tout est bon. Ah, et du coup, il est hétéro. Tant pis. Dommage. C'est une espèce de fat Ganondorf. Hop, c'est parti. Ouais, sauvegarde. Il est vraiment gigantesque, par contre, hein. Mais mec, mais il rentre pas dans mon écran. Mais... Hey, j'ai pas hâte de voir sa femme, mec, la pauvre demoiselle. Mais... Oh, regarde-le. Oh, mec. C'est dommage, on peut pas le voir. Il y a pas torse nu. Oh, non, il y a merde. Pas torse nu. Ah oh, ouais, faut voir sa fille après. Ouais, mais je sais pas si ça joue vraiment la taille du perso sur la fille. De loin, elle a l'air chunky quand même. Hein. Un peu, ouais, un peu quand même. De loin, elle fait un peu sneakers. Hein. Oh, le vieux bonnet. Non, vas-y, on va laisser comme ça, elle est bien. Ouais, non, avec merde. Sa coiffe, ouais, de ouf. Ah si, quand même, voilà, quand même. Ouais, elle est quand même... Oh ouais, ça va, ouais. Combien tu lui fais un câlin, mais enfin c'est la dernière chose que je ferai dans ma vie. C'est, voilà, c'est ça, enfin regarde la taille de ses mains, mec. Mais et puis le problème c'est qu'il lui fait un câlin, enfin faut réussir à faire le tour avec tes bras. Et c'est pas possible. Hein. Moi je peux pas. Hein. Bah, oui non. C'est-à-dire qu'en plus si t'es à côté de lui à cause de la radiation de fond et de sa masse, tu pourras pas repartir en fait. Il capte la lumière.
il la gifle, elle est décapitée. Mais c'est un peu comme Berserk, un des premiers apôtres qui nique. C'est une espèce de gros qui casse des mains, des têtes avec ses propres mains, tu vois. Et mais lui, il fait, c'est lui en fait, c'est un apôtre. Hein. Oh, mais clairement. Ah, merde, j'avais 2 points. Hop. Faut que tu maries ton perso. Ouais, on va. Ouais, ouais, t'inquiète, vous inquiétez pas, Les gars, oh là là, je peux vraiment. Ça, c'est horrible en plus. Enfin, j'ai la pauvre qui va être mariée à ce monstre. Mec. Tu veux se marier avec le bulldozer de. Alors, tu remarques. Ah, s'il y a quand même des gens qui m'apprécient. De pas beaucoup, mais il y a quand même des femmes qui m'apprécient. Mais pas beaucoup, hein. Ah, faut voir le truc. Elles ont plus peur qu'autre chose, hein. On va quand même rechercher celles qui ont des traits. 250 kilos sur la gueule. Et puis c'est pas 250 kilos de mou, hein. Ça c'est des deux, hein. 50% fat, 50% cruauté, hein. Ah oui, non, clairement. Bon, j'en gagne. Bon, bah, pff, si t'acceptes, bonne chance à toi, hein. Tout le monde lui fait un signe de croix quand t'as dit, bah pourquoi pas. Peu de chour, viens. 50 kilos de bite. Ah, c'est d'accord, viens. la massue. C'est ça, ouais, la poutre. La poutre tamoule. Non, c'est pas bien à dire. Je suis pas fan, en fait. Salut, Poléon. C'est quoi ça? Ah, c'est ma piété. Coucou, Popo. Poléon. Ah, ma piété, elle est marrante. Pourquoi je gueule? On se demande. Genre, c'est pas ça d'habitude. Attends, on a quoi? On a déesse de la pureté et d'expiation. Oui, jamais. Fortune et prospérité. Mec, okay. Jagannath, seigneur de l'univers. Seigneur de l'univers, j'aime bien. Mec. Hop, ça c'est fait. Bien sûr. Mais c'est lui en fait, c'est l'avatar de Jagannath en fait. Oui, c'est... Parce qu'il il va se nourrir, c'est Galactus. Oh, mais regarde la transposition entre mon pyroïte et moi. J'ai dit Galactus et ça a fait Pop Spider en plus. Tiens donc. Ah mais j'ai des jambons en plus. Ah, oh, attends, on l'entend pas. Ah du bah, tout. Super. Hop. Ça, c'est bon. J'ai plein de croque-morts ça... qui va devoir lui faire un cercueil. Bah, faudra trouver une exoplanète. C'est là pour les ressources. Puis, en bois, on a pas ce qu'il faut, nous. Puis, le. T'es gentil, hein. Et surtout pas, le mettez pas dans l'océan, ça va faire monter les autres 6 mètres et on va être tous dans la merde. On va perdre les Pays-Bas. Hein. Plus, je pense. Non, l'autruche, faut pas. Ça va devenir Waterworld, en fait. Il était bien, Waterworld. Il était où oh. Ouais, coucou, rigolo. Attends. C'est un peu... Mais c'est un sous Mad Max. Ah quoi. Oui. Bah, il était bien, quand même, comment dire... Comment il s'appelle l'acteur, déjà? On entend bien, tout le monde? Cosmer. Je sais pas. Bah, c'est pour ça que je vends. C'est quoi? On voit les Nibars. On voit les Nibars. On avait pardon. Ah ben j'y peux rien là. Yes. C'est culturel, hein. C'est culturel. C'est l'Inde. Hein. Oui. Tant qu'on voit pas la gougoute, mais tu remarques surtout que on parlait du mec qui devait devoir s'occuper de son cercueil, mais enfin, vous vous rendez compte du nombre de charpentiers qu'il va y avoir besoin? Non mais vas-y. Mais pourquoi tout le monde il a poil d'un coup là? Ouais. Et on parle de son tailleur ou pas? Si ah bah ouais, c'est pareil. J'aimerais bien qu'on parle aussi du rythme en cuisine. Pour nourrir le bestiau. Qui doit être ininterrompu depuis 45 ans. Non, il a que 23 ans. Mais... Ah. Eh ouais. Mon seul gain de prestige, c'est de me marier à un enfant quand même. Oh. Allez. Ah yes. Comment vrai? Quoi? Hein? J'habite en Belgique. Ah, c'est facile, c'est facile. À quel âge? 10 ans? Ouais, bon, ça. C'est bon, ouais, dit, 10 ans, c'est majeur. Hein. À 10 ans, il y a plus longtemps à attendre. Voilà, il a accepté. Alors, toi, t'es un sacré fils de pute. Mais t'as vu son prénom, il est incompréhensible déjà, donc. T'as cours, la dadash, ta la la. Non, mais. Enfin, femme, Yadar, c'est un raisin sec. Oui, bien sûr. Mais c'est vraiment inhérent à l'Inde. Genre là, je peux cliquer, on va voir. Ah, voilà, on voit des nichons. Bah. Ah, c'est inhérent alors. Qu'est-ce que tu veux? Et clique sur la France, il n'y aura pas de nichon. Hein. Ah non! Ah non, chez nous! Ah non, pas chez nous, non? On va se faire niquer comme ça, nous, attends. Puis là, on est loin. Hein. Par contre, il y a des gosses. Hein. Pourquoi sur la carte, quand tu les zooms au maximum, juste en bas à droite de l'Inde, il y a le Kraken?
Je, ouais, je sais pas, il y a un... D'accord, c'est de là d'où vient ton roi, en fait. Oui. Il vient de la cité engloutie de Rillier, donc... Lui-même. Ah, oh, j'ai des éléphants de guerre. Oh, trop bien, par contre. Tu m'étonnes. Bah, ils ont essayé de lui trouver un cheval. Ils se sont dit, on va mettre des éléphants direct, parce que là, c'est mort. Hein. Enfin, on a essayé un cheval, ça a pété, donc... Il l'a absorbé, donc... Mais t'imagines sa mère. Attends, mais je crois qu'on peut, on n'a pas de descendant. Enfin, du coup, on est littéralement créé, je crois. Il a spawn, il a été créé par l'univers, en fait. Ça dépend. C'est comme dans les chroniques de la Lune Noire, sinon il lui aurait cassé les hanches, en fait. C'est ça. C'est une portée de 4 et que c'est le dernier, bon. pour faire la blague du nom du sultan, je peux pas faire autrement qu'à l'écrit. Comment ça? Attends. Sur le chat. Oui. Sur quoi? Je peux pas la faire à l'oral, c'était chaud. Quoi. Ouais, non, il y en a, elles sont compliquées. Maltésèche. Ok, bon, j'avais. Tout le monde me déteste. Hein. C'est le lointain ancêtre de Bounty. Oui. Ah là, mon gars, même, très très lointain. Ça, c'est. Cousin éloigné. Les vagues, tu vois, de voyageurs. Hop, mais j'éclipse ma femme. Ouais, elle est pas là, exact. Enfin, c'est... Elle a quoi, elle a 12 ans, non, 17 10 10 ans. Ouais. Je l'ai prise un peu jeune, mais elle va grandir. Ça va, tu vas pouvoir aller voir Kung Fu Panda avec elle, quoi. C'est pas qu'elle va grandir, c'est que tu vas la grandir. Oh. C'est pas un bon aîné. Ah oui, il y a 400 balles, les éléphants, putain. Ah, pas mal. Oh, Big dans le chat qui fait. Oh. Alors. Attends, quoi? Qu'on amène le scotch royal pour ma femme. Ça me fait toujours du mal de voir que t'as un maréchal avec toi. Il y a des souvenirs, hein, il reste. C'est le mot. C'est le mot qui marque. Bon, alors, Spider, qu'est-ce que ça fait d'avoir la fibre? Ça fait que je peux télécharger vite. Ah, quel bonheur. Bien, ça. Mais tu sais ce qui fait encore plus plaisir? Les M&M's Crispy. Ah, c'est bien aussi, ouais. Mais... Ouais, ça, je m'en fous. Enfin, à part si tu veux juste acheter des M&M's Crispy, le reste, je m'en... Pour acheter une PS4. 5. 5, 5. Les deux, hein. je mets une PS4 plus une PS4, ça fait une PS4... Ça fait une PS9, peut-être. Plus tranquille. Un peu de maths. Plus 4, ça fait une 9. Ah oui, c'est... Non, mais c'est pour que Poléon puisse la blague. PS4 plus PS5, 5 plus 4, ça fait combien, Spider? Mais il a dit PS4 plus PS4. Ah, David. Mais il est spécial aussi. De toute façon, je le dirai pas. Mais c'est marrant parce qu'en plus, t'as chancelier et en dessous maréchal. Genre vraiment les deux mots qui. Bon. Ouais, ils sont un peu. Limite. Ça, il t'aime bien pour l'instant. Ouais, bah ça va pas tarder. Enfin, ça va pas continuer plutôt. Parce que le premier truc sur lequel il a cliqué, c'est déclarer la guerre. Bonsoir, ah oui, c'est Crash Bandicoot sur PS1. Alors, c'est quoi la PS1? C'est qui Crash? Qu'est-ce qu'il a fait encore, Crash Bandicoot? Je le connais pas bien. Il était pourtant si calme dans le quartier. Bon, là, il va falloir attendre un peu, là. C'est un homme gentil. Oui, on a entendu parler de Crash Bandicoot sur PS1, ouais. Vaguement, ouais. Vaguement, de J'ai loin, entendu ouais. des bribes à son sujet. Connais-tu le Megaman, comme il l'appelle? L'homme méga. Les anciens poètes en parlent. Il a combien? Oh, il n'a pas beaucoup de plus que moi. Reste en bide, en tout cas, ouais, il est moins que toi, c'est sûr. Hein. Non, mais enfin, c'est même pas le bide, mec, à ce niveau-là. J'ai hâte de voir ton fils, j'ai hâte de voir le reste de la famille. C'est ouais, il va falloir juste attendre qu'elle grandisse un peu, mais... Tous devenir des boulets de démolition, ça va être... Mais mec, il faut un barbier, un coiffeur et un autre coiffeur pour les sourcils, mec. Je suis fou. Je pense qu'il faut deux barbiers, déjà, un sur chaque échelle. Il faut juste qu'on attende que j'ai un peu de prestige pour pouvoir faire des guerres. Ça va venir. Ouais, non, de gloire aussi. Rayonnant. Ah, dans les Total War, tu peux faire directement là. Oui, bah là, ça marche pas. C'est tout ce que tu peux faire dans Total War, donc forcément. Bah non. C'est ton titre, si tu veux. Ouais, tu peux faire des guerres civiles aussi. Des guérillas. Super. Ah.
Bah heureusement que j'aime pas la guerre, moi je pourrais faire la guerre civile. Regarde le trait. Vous avez perdu obèse. Comment? Mais pourquoi on est pas obèse? Mais je peux savoir. Mec, c'est le premier truc que je perds, c'est quoi ce bordel? Tu vas me remettre de la bouffe là-dedans? Je veux je dis donc. Il est fou. Mais Kat, comment on met la bouffe dans le garçon? Alors par contre, du coup, pour ceux parce que c'était un défaut du jeu à la sortie. Mais du coup, ils ont rajouté ça et maintenant l'encadré qui pop, tu peux le fermer avec la petite croix. Parce qu'avant tu pouvais pas, t'étais obligé de clic droit un peu n'importe où en priant. Et pour le nourrir, en fait, il faut le mettre allongé, bouche ouverte. Ensuite, tu amènes la charrue, tu te fous au cul et puis tu fais tomber les trucs dedans. Tu fais gaffe, t'arnaches bien à la truc pour pas tomber avec. Ah bah là ouais, non mais sinon ça fait un tête à queue hein. Bah c'est ça. Il a fait une JDG, elle est moins drôle du coup maintenant. on arrêtera jamais hein. Non. Enclencher le mécanisme de la Terre. C'est petit Jésus, mais oui. On aurait dû l'appeler petit Ganesh. Non mais je vais pas changer non. Ah le Bacti. Et à chaque repas, t'as les cornes de brune qui résonnent dans la vallée. Tu... Le roi mange. Oh merde. Oh putain. Rentrez les bêtes. Comme Nibbler dans Futurama, en fait. Ah ça y est, le mec il regarde un peu, ça y est, il a la référence. C'est bon, c'est nickel. Pas du tout. Mais tu te souviens qu'à l'épisode 2 de la saison 2. Pas du tout. Mais c'est bien que. Et pourriez-vous faire un live Tomb Raider? C'est cool. Non, Tomb Raider, on y joue pas souvent en plus. On a jamais entendu parler de Tomb Raider, c'est quoi? Non. Surtout depuis mardi, on n'a pas beaucoup entendu parler. Ouais, ouais. Reste un peu, Edgar, et tu verras qu'on fait un peu de Tomb Raider. Tu veux, moi, chaque semaine, je fais des live comptabilité où je prépare la compta des gens et tout, j'aide. Oh, c'est bien ça! On organise les Jeux Olympiques d'hiver. Ouais, aussi. Les Jeux Olympiques d'Albertville. Ah là là, ça hurle. Je sais pas. Faudrait qu'ils rajoutent l'Inde dans Sea of Thieves. Non. Faut pas leur péter la gueule un petit peu. Avec gratos, quoi. Le héros de God of War. Attends, non mais je le fais moi-même. Ouais, vas-y, fais-le. Ouais. Il mérite. Je le fais moi-même. Attends, bouge pas, je le fais moi-même. Ok, mais l'Inde de Christophe Colomb. Ah, la série Netflix qui a été annulée. Va niquer ta mère. Ça va vite. Elle est passée comme ça. Le petit tac là. Ça s'appelait comment déjà la série en plus? Marco Polo. Ah bah du coup c'est pas du tout Christophe Colomb. Non, pas du tout. Bah, c'est pour ça que j'étais un petit peu voilà. Ouais pareil. Décontenancé mais 30% du budget de LMF va à Adwin pour qu'il rachète des Megadrive. Bah oui, il arrête pas de les paumer tous les 4 matins. Il arrive à paumer 12 Megadrive d'un coup, là, on n'y peut rien. Hein. Le fait qu'il ait dit « Oh bah si, elles étaient dans un carton, mais genre, t'as pas regardé dans le carton. » Non, parce que Louise avait dit non. Mais elle est spéciale. Et comment tu paumes? C'est pas grave, vas-y. Attends, il y en avait 12. Encore, tu peux perdre une Megadrive. Non, ah non. Non mais en vrai je crois qu'il en a une dizaine. Et je crois qu'il ouais, il en a 8 ou 9 je crois. Ouais un truc comme ça ouais. Attends. Je crois que quand il les achète elles sont déjà moitié pétées non? Bah oui, il les achète pas neuves. Oh ça te se vend que 100 balles, vas-y. Seulement. Pourquoi tu déclares la guerre au cola là? Mais non mais je peux pas, il faut que j'attende. Il y a trop de cola ou quoi? Pour les grands cola. Chola, ça te prend chola. Chola, attends, chola. C'est des Indiens aussi. Comment t'es... Mais est-ce que. Non, mais par contre, je suis désolé. Hein. Encore, tu vois, t'entends Paris. Ça sonne bien. Nantes. Bretagne. Mais. Ils doivent se foutre de notre gueule pareil. Hein. Ah, Paris!
Ouais. Lyon. Lyon. Eh, hey, t'habites où? J'habite à Lyon. Ah, vous foutez de la gueule des villes qui sont à 500 km de vous. Hein, donc... Excusez-moi, je n'entends pas les cris. Voilà, donc voilà. Insupportable. C'était instantané. Ouais, ouais, vraiment. Il y a eu une réponse, c'est fou, hein. T'as à peine attaqué, il avait déjà gagné, en fait. Lyon, c'est moi. Gratuit de ouf. Non, c'est jamais gratuit. Oh, c'était gratuit une fois. Oh, allez, va chercher du pain. Du papier, connard. Ouais, pareil. Ça finit au même endroit. Ah bon? Ouais, c'est pas parti. Ok, hop. Il y en a un qui s'appelait Glucose. Attends, parce que je veux bien, hein, que ce soit l'un, mais est-ce qu'il s'appelait vraiment Glucose ou c'est moi qui ai rêvé? Non, c'est Glucose, 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 Glucose. Ah, Glucose, d'accord, ok. C'est pas mieux, je veux dire. C'est con, ça aurait été marrant que. Ça aurait été hilarant. Voilà. Quand t'es, ouais, influenceur, quand t'es gargantua et que t'essayes d'influencer un mec qui s'appelait Glucose, ça aurait été marrant. Parce que... C'est Glucose, voici mon frère Lactose. Mais enfin. Quand tu regardes le perso, tu vois pas forcément ses yeux au premier regard, et c'est un peu terrifiant. Mais lui te voit. Mais lui, et c'est ça qui fait peur, lui te voit. Mais regarde, mais il a maigri, il est presque musclé maintenant. Putain, mais vas-y, mais alors par contre, la taille des bras par rapport au reste, c'est... Il a maigri du... Il est maigre. Ouais, c'est Action Man, il va jamais la bourriner sa femme comme ça, hein. Ah ben... Alors par contre, il est toujours rappeler Momo encore pour qu'il bourrine sa femme à sa place encore, parce que ouais, c'est une armoire, mais il est plus gros. Ouais. Par contre, je sais pas si c'est la présence de notre ami Gargantua là, mais je viens de manger, j'ai encore faim. tiens. C'est bon les friands. Les friands? Les friands, ouais. C'est vrai que c'est bon. Genre mon fromage? Non, juste avec la saucisse dedans là. Ah oui, non, pas les croissants, les friands. Oui. Il a un passif, ouais, il a une aura. Ouais. Un peu comme dans Horns, tu sais, quand tout le monde devient fou autour du gars parce qu'il réveille les péchés, tu vois, c'est pareil. Oh, ma femme est enceinte. Je veux pas faire de la contre-publicité, bah fais-en pas du coup. Mais Teddy Boy, c'est quoi Teddy Boy RSA? Je sais pas. C'est pas moi en tout cas. Hein. c'est pas lui. Je parle des meilleurs souvenirs de jeux vidéo. Yes, les miens c'est quand j'ai joué à Ryzen un jour. Est-ce que Valhalla est sorti il y a tellement longtemps? Et est-ce que dedans il y a un chapitre qui décrit à quel point on peut s'en battre les couilles, Edgar? Que moi je m'en bats la race de ses souvenirs de jeux vidéo à Teddy Boy RSA. Qui ne sont pas les miens. Il s'appelle Teddy Boy RMiste d'ailleurs. C'est son évolution. Sur YouTube. Je connais pas. Oh, ça commence. Proposition sensuelle. Oh, je crois que je démonte là. Hop. Absorbe-la, mec. Absorbe-la. C'est parti. Ah bah j'ai... Oh, putain, des remparts, ouais, tu... Ouais. Il y a faux remparts, par contre, hein. On peut t'accompagner les grandes hommes, mais... Je vais vers elle, d'abord avec hésitation, puis avec empressement. Mon pouce accélère, alors qu'elle s'approche de moi, à l'ombre du mur. Nous faisons l'amour, non loin des patrouilles qui ignorent sa passion. Dis donc, il y aurait pas un petit peu de littérature de cul dans le jeu, enfin... Il chante déjà. Oh, vas-y, c'est parti. Comment on appelle mon fils? Salut Assassin's Creed. Eh bah, tu l'appelles Toblerone. Moi, je l'appelle Gaël. Gaël? Ouais, c'est Gaël, mon fils. Bon, oh, vas-y. Ouais. Hop. Tu peux le faire? Non, ouais, tu peux. C'est pas pareil. Il a disparu quand même. Hein. Le roi sans vaniquer, t'as le seul qui tremble pendant 3 semaines. Une réplique?
Ah mais oui, il y a vraiment Assassin's Creed en fait, j'avais pas vu. Je crois que c'est une vanne encore, ouais, moi. Il est vraiment... Tu as voulu tester ce jeu, mais il a l'air compliqué. Il est assez streamliné pour t'apprendre rapidement les cordes. Oui. Hésite ouais. Franchement pas. L'entraînement du jeu, comment on dit, le tutoriel du jeu, il est vraiment bien foutu. Ouais. Et tu t'apprendras rapidement comment y jouer. Il est bien moins compliqué que ceux d'avant, donc n'hésite pas. Ouais. Ça a quand même demandé de l'investissement. Mec, pourquoi ma fille elle se tape un Sinman de Dixcom? Ah ouais. Ah ouais, lui il est en train de fabriquer des trucs. Ça va devenir un serpent plus tard. Oh, le jeu il est nique, de quoi? Tout ça? Upada yaya kotaba baba yetu yetu liya. Oui, bon, on accepte. Mandala quand même à la fin. Hein. Non, mais là en plus, Assassin's Creed Weed. J'ai mis le truc au niveau 5, du coup c'est ultra rapide, mais. Le truc que j'avais bien aimé, moi, c'était, comment dire, pendant l'intro, tu sais, genre, il te fait jouer comme si t'étais un début de partie, mais après, il te laisse la continuer, et ça, je trouvais ça vachement cool. Ouais. Et c'est, oui, pendant tout le cheminement, en fait, t'apprends vraiment bien comment utiliser toutes les options, si tu veux, et en fait, y a pas tant de trucs que ça, en fait, ça reste clair, tu vois. Non, y a plein d'événements, mais, comment dire, tu les apprends au fur et à mesure. Ouais, la femme de ses rêves. Le cœur qui bat, il est reste d'un feu. C'est pas un Maxi Best of CBO, je comprends. Le reste d'un feu qui couvre au bas-ventre. Oh la vache. Je pisse. Mais non, il a la quêterie, mec. Il doit soulever le château entier, si tu veux. La poutre du Gange, comme on l'appelle. Bien sûr que je dois la trouver, il est fou, lui. Et c'est comme ça que commença le grand pogrom des femmes indiennes. Alors par contre, attends, il a mis 3 jours à le trouver. Hein. Non, il vient de dire que nous n'avons trouvé aucun signe de cette paysanne que vous recherchez avec les ressources limitées à ma disposition. Bon, ils ont pas cherché, voilà. Ils ont attendu 15 minutes, les gars. Non, mais... Ouais, mais chercher la femme de mes rêves. Il dit 7h30, les bureaux, ils ferment. Je suis à fond, mec. En une seconde, il y a 3 mois qui passent, Dieu. Ouais, non, mais je pense surtout qu'ils y mettent pas du leur, donc ça m'énerve. Il est fonctionnaire, hein. L'amour sans amour, et amour quand même, mec. Ça n'est rien que de l'amour. Ouais, t'as pas besoin que l'autre soit d'accord. Hein. C'était les inconnus. Pas besoin qu'il soit d'accord quand t'es inconsciente. Gros dab. Ouais, j'ai dabé, hein. Bien sûr. Enfin, t'imagines ça, c'est ton daron quand même. Bah, pas compliqué. Le problème, c'est qu'il t'envoie dans un autre royaume. Bah, c'est ça. C'est la femme de mes rêves. Il est petit ou il est loin, le truc à droite là? C'est un vrai mauvais espèce de tarbé. Ah, Gopal Suresh. Gopal, il s'appelle. Ouais, Pokémon Gopal par là-bas pour voir. Va dans l'océan Indien. Oh la vache, comment. Quoi? Emparez-vous d'elle. Quel séducteur. Non, c'est pas ce sens-là, hein. Fais l'emparage là. Non, ouais, mais vas-y, regarde là, mec, qu'elle soit d'accord ou pas. Non, mais elle est d'accord, vas-y, on part. Elle est d'accord. Ah, mais oui, c'est parce que. Ouais, là, ouais, bah, y a un bâtard. Ouais. Hop, ils vont en prison. Tout. Bâtard. Dégage. Bon, c'est le gamin dans les geôles. Hop, non, c'est la femme qui est dans les geôles. C'est dans les prisons de. Oh putain. Ah, merde. Tu peux quand même l'inséminer ou c'est pas possible? Non, mais attends, je vais exiger la conversion. Et puis. Quand t'aimes pas le terme inséminer. Ah, il est vénère un peu. Ouais, pourtant, il est doux. Non, ah non. Heureusement qu'on n'est pas resté sur ton rider. Est-ce que après l'avoir viré, elle t'a appelé mon bien-aimé? Ouais. D'accord, bah, tu vois. Mais c'est ça le pouvoir que j'ai avec les femmes. Hein. Je t'arrête. Foutre en tôle, tu veux dire. Chacun son truc, hein. Ouais, que veux-tu? Il y en a, ils préfèrent le cinéma, d'autres, ils préfèrent un bon resto, toi, tu les fous dans les geôles, bon. Ouais. Après, c'est une sortie comme une autre, hein, si tu veux. C'est ça, hein. Ça te prend une petite tirée, c'est quoi? Tant qu'elle accueille la graine royale. Elle a pas le choix, hein. Oui, aussi. Je parle de jardinage, j'y parle. Bien sûr. Qu'elle devient poule pondeuse. Le tunnel sous la manche. Ça reste un morceau steak. Hein. De steak. Un morceau de steak. Non, ça c'est plus haut sur la map. Putain. Ce machin, quand il te fout en tôle, c'est une preuve d'amour. Quand tu sais ce qu'il peut te faire, ouais, c'est ça en fait. Ah. C'est qu'il tient à toi parce que sinon il t'aurait juste absorbé en fait.
Tu peux jouer les Noachi. On appelle comment ouais. Enfin, tu peux jouer U. Là, enfin, c'est pas vraiment les Chinois, mais. Y'a quoi, ah, si, quoi même gâteau rigolo. Kinder Country, mec. Kindesh, Kindesh, Kindesh. Mieux. Mais. Kinder Country. Mec, on dirait une Lamborghini qui est jamais sortie. La Kinder Country, je pense. La Kinder Country. Mec, vendu par Didier Drogba, enfin, je veux voir ça un jour. Oui. Elle est bien cette voiture. Oui. Vous pourriez faire un live Odwa. Alors, ouais, on prend les suggestions de live. Faut juste que tu nous donnes 2500 balles. Et on veut bien penser. On veut bien y penser. C'était soit l'argent, soit nique ta mère. Après, il peut donner aussi sa sœur, hein, y a pas de problème. Mais alors ça dépend. Si sa sœur elle est reliée à Gargantua, si tu veux, on va éviter. Est-ce qu'elle s'appelle Kinder Country? Parce que sinon, on en veut pas. Les franchement non mais les prénoms genre Angélique et tout non mais c'est mort Kinder Country par contre mec Banco ta sœur s'appelle Angélique non elle s'appelle Laurence mais j'ai bourré une Angélique alors on se calme. j'ai bourré une Angélique oh le malade le prénom il est léger il est doux tu vois il a bourré une Angélique lui quoi c'est, enfin, il a chié sur un chaton c'est ça qui est encore nous expliquer quoi tu vois. Bourré une Angélique. Après c'est Thanksgiving hein. Quand il s'agit de fourrer cette saison hein. Ah ouais, toujours. Ah ouais. Oui, sûrement de la baguette. Non, le monstre. La petite goutte. Par contre, hey, Edgar, pourquoi il faut secouer la table après avoir pissé? Oh non, non. La déchéance, mec. Oh, j'espère qu'on vous entend tous bien, c'est incroyable. Le camp troll, le camp orc. Ça pète, ça rote, mec. Enfin, il manque juste des fracas de cuisine en fond. C'est encore en lien avec Mouette Mouette, ouais. Ouais, ouais. Ouais, c'est ça, ouais. Parce que tu fais mouette-mouette. Parce que elle vient, on fait mouette-mouette. C'est à cause d'Angélique. Benoît, l'euro, c'est pas moi. C'est Momo. Ouais, mais il va dire, non, mais Angélique, c'était ma meuf. Ah oui, ok, bon. Elle a pris tarif. Elle prenait plus qu'un ordinateur. Oh putain mec. Oh le la réplique de pilier de part hein. C'est l'Inde qui nous fait ça. Elle a pris plus tarif que le rodateur. C'est pas mal ça. J'aime bien moi. Il y a un côté poétique Et automobile aussi. Mi Rembrandt, mi Max Boublil en fait. Mec, côté automobile. Du coup Edgar tu sais ou pas? On est insortable. Je vais sortir le Ricard. Alors non, on fait des blagues, certes. Non, c'est vulgaire. Sodomie. Un petit jaune. Allez, un petit jaune. Petit jaune. Jaune. Dans mes yeux. Quand je suis bien pété. Que je l'écoute en boucle en ce moment. Ah, c'est moi qui. Quoi? Ça m'étonne pas. Ouais. Ah, c'est moi qui nomme l'enfant de ma fille. Ah bah oui. Appelle-le nul. Sharingan. J'allais proposer gâteau de semoule, mais c'est chacun son truc. Borat. Borat. Non, vas-y, Sharingan, j'aime bien. Bah non, mais attends, Sharinganesh. Mais oui, mais Sharinganesh, forcément. Putain, Sharinganesh, évidemment. Évidemment, le prochain, c'est Boroutesh. Non, c'est dégueulasse comme mot, Boroutesh. Bah, on s'en fout, au pire, c'est un gamin que t'aimes pas. On dirait un truc illégal, en fait. J'ai l'impression que pour Boroutesh, je pourrais aller en taule, tu vois ce que je veux dire? Mm-hmm. J'ai été arrêté pour Boroutesh. Ah, c'est dégueulasse. Qu'est-ce que t'as de l'autre côté de la cellule? Comment osez-vous? Et un peu de décence, tu es un gamin. Pourquoi quand je rentre, c'est une odeur de lasagne? What? Ah, c'est ça que je me disais. T'as mangé des lasagnes? Des lasagnes, maman? Bah la semaine dernière. Ah. Oh la vache. Ah oui, quand même.
Bah oui. Pourriez-vous m'expliquer comment séduire une femme? Alors. Ça dépend, elle est d'accord ou pas? Si elle est pas d'accord, franchement, le chemin est le plus rapide. Je veux dire, de la main à la joue, il n'y a qu'un pas. Non, 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 t'es gueule. Là, là. Je questionne pas ce qu'il dit. Personne. T'as aucune chance d'avoir fait, dommage. Je voulais essayer de cuck des gens. Mais faut être discret pour pouvoir cuck, et là, c'est pas ton... C'est pas ton... Ah si, là, je... c'est parti. Hop. Yeah. Tu veux ma bière? Sa bouche dit non, ses yeux disent oui. Oh l'horreur. Oh mec. Et oh, au tribunal ça passe hein. Le juge qui fait oh la tchoua. C'est un petit lion. Comme le pire là tu sais avec comment dire le light bulb et la femme enceinte. Oui. You can't unscrew a pregnant woman. Ce chat de super séduceur. Ok, c'est quoi ça? C'est quoi ça? Eh bah, Broutèche. C'est ton fils. Ouais, bah, Broutèche, y'a pas le choix, mais c'est con, on s'éloigne de la bouffe. Tu ou vois. Tu l'appelles Ninjago. Non, non, mais là on. Ninjago. Non, mais là on dévie, mais ça, on va revenir sur le droit chemin de la bouffe. Oh, mec, c'est vrai, faut que t'en appelles un taboulistan. Non. Taboulèche. Le balcon m'a bien aimé, ouais. Y a du monde. J'escalade. Non mais tu vas pas escalader, tu vas juste faire tomber ton palais en fait. Enfin non, c'est son palais là. Du coup, ça va ah, t'as juste mec, enfin, j'essaye d'attirer pouvoir. Son attention de manière discrète. Le mec il siffle, il... Oh tu viens niquer. Des gens deviennent sourds. Faire l'amour. Non mais si, mais escalader. Balance, oh, mais t'es hors sur la vie, faire l'amour. Tu sais comme le tank, tu sais il arrache des bouts du sol et il le balance dans le balcon. Je... Mais oui, mais en fait le perso c'est le premier boss de Azura's Wrath. Oh mais oui. Oui de ouf. Mais tellement de ouf. Il écrase des pays avec son doigt. Bien sûr. Il y a beaucoup parce que Bill il a fait un clip bourré dans Angélique. Ça m'a fait beaucoup. Si tu nous regardes. Oh là là. On va très bien un coup pour un sanglagla. J'ai déjà mangé depuis. Putain, mec, mais tous les événements c'est juste des meufs que t'as niqué. Oui. Regarde là, elles arrivent toutes pour dire bah ouais. T'as les skis à traîner. Genre en dehors du palais, tu sais, t'as une ligne de 500 meufs avec un chien dans les bras. J'attends une portée de 25. Ah non, désolé, pas en dessous de 14. Ouais, mais on en garde un, on garde le plus beau et on jette les autres. C'est malin ça. Tu mets ça à la recyclable, hein. C'est bah. Bon. Oui. Bah, on fait comme ça avec les petits chiens, hein, j'ai pas rien. Après, hein. Tu les. Comment dire. T'en fais des croquettes, quoi. Ouais, c'est ça. Des friands. C'est vrai qu'ils sont bons, les friands. C'est bon, les friands. Ils sont bons, les friands. Mec, on en parlait tout à l'heure. Je vais sur mon accueil YouTube. Il y a le mec qui a fait la chanson jaune, là. Il vient de poster une nouvelle. Oh putain. Sans déconner. Elle s'appelle la cuite finale. Ah la vache. Et tu dis, ah, je connais la meuf finale, moi, comme ma chanson. Voilà. Mais t'en as tellement d'enfants! Non, mais là c'est pas le. Enfin, c'est le mien, mais j'ai cuck un mec en fait. Il est pas moi! Genre là. Là j'ai cuck, il est où? Lui, voilà, je l'ai cuck. Chérie, ça... comment ça fait que notre fils de 6 mois fasse 16 mètres? Oh, je sais pour. Ce serait pas en relation avec le. Ma femme est encore enceinte! Il est gentil. Et bah voilà. Oh, putain, la vache, il est actif le garçon, hein. Non, mais on l'appelle le marteau-piqueur. Marteau-piqueur, mais enfin, je mis le très fécond, enfin, je vais avoir une dynastie de malades, mec. En plus, dans ton arbre de talent, entre guillemets, c'est ça, tu vises des gonzesses en même. J'ai pas, mec, mate les oreilles. Ah ouais, c'est ton fiche, lui, ouais, ça c'est évident. C'est le mien. Qui prend un coup de vent, par contre. Bon. Comment on peut l'appeler? Bah, Taboulèche. Il était déjà. Ouais, Taboulèche.
Alors, t'en as pas encore appelé Taboulet, je crois. Non. Non. C'est vraiment bien ce que vous faites, j'aimerais rejoindre votre team. Non, merci. Non. T'as 5000 balles que je te rendrai jamais ? A plus. On s'appelle. Tu me laisses faire un tour avec ta sœur et puis. Oh. Oh, c'est pas correct. C'est pas... Oh non. 25 ans, 175 kilos, non. 17 concubines, 12 gosses. Taboulèche, il est mal. Taboulèche, il est molode. Qui ça ? Taboulèche. Il a 20 minutes le bordel. Comment il a fait pour putain, être malade ? Putain, il a eu le temps de lire le journal. Putain, je viens de la comprendre. Petit rêve. Ouais, connard. Petit rêve. Culturel. Et je l'ai pas vu dans les jeux vidéo celle-là. Bah, tu l'as apprise tout seul, c'est bien. Je suis gros garçon. Oui. Comment ça, mon petit? Oui. Bravo. Ah, bah, mon amant t'a péri, dis donc. C'est laquelle? Bon, c'est pas grave. Ah, c'est le garage. Ah! Déjà? Oh, je suis malade. Mais j'ai pas vu. Vous êtes juif? Oui. Tous. Quoi? Pourquoi cette question? On se sélectionne en fait. Tous les viewers qu'il y a là, ils sont tous juifs, nous aussi. On est obligé de nos divins. Tu peux voir des vidéos de nos IRL où on danse tous en rond. Ah, celle-là, elle est bien. Petites, là, autour, avec les chapeaux, et, On a les petites guirlandes, là, ouais, et puis... Oh bah non, ma taboulèche est mort. Pas ta pêche. C'est quelle? Oh non, taboulèche. Généralement, taboulèche, il a fait deux jours, hein. Ah ouais, mais bon, il est périmé. T'es vraiment un chien. Ouais, faut en refaire un. Oh, ouais, bah ça arrive, c'est ça juste... arrive, hein. Et là, c'était un brouillon, taboulèche, on fera taboulèche 2, il sera mieux. Ils ont fait taboula rasa de taboulèche. T'as du stop, non, mec? Franchement. Mec, tu l'appelles taboulèche finale, entre parenthèses, final.psd. Rome, tout il fait, il avait pas la pêche. Taboulèche sans gluten. Faut appeler le prochain Gadel Malèche. Putain, mais attends, mais mec, je suis plus malade, il a legit l'air propre, le perso, là. Ouais, non, mais ça me plaît pas. Enfin, tu l'appelles Gadel Malèche et celui d'après tu l'appelles Melon et Melèche. Oh la femme! Oh putain! Oh mec, j'en ai pas entendu depuis le collège ça! Depuis le collège, tu as le depuis le collège! Comment il s'appelle les. Oh non! Non! Ah, non! Non, non mais. Ouais? Il y a quelqu'un, il y a Xuxu sur le chat, il avait proposé un nom. Oui, non, bah non. Ouais, non, c'est pas... Oh la gueule! Oh la gueule de Tom Lerèche! Oh mec! Il est en 2D vertical! C'est incroyable! Oh Tom Lerèche! Oh, il va être fort lui! Oh, c'est incroyable mec! En plus, il est arrogant, c'est incroyable! Oh là là, j'ai trop hâte mec! Il peut regarder sous les portes sans problème mec! Il peut se glisser en fait! On tu peux le faxer ton fils! Ouais, tu peux le faxer jusqu'en France si t'as envie! Il y a des deux côtes au rep. Oh, mais pourquoi ils sont tous à poil au-dessus de chez moi? Putain, faut se rhabiller les mecs, hein. Vas-y, mais déclare la guerre aux nudistes, là, t'attends quoi? Mais je peux pas, je suis pas assez... Ouais, elle c'est le camping de la Pinède. Ouais, je suis pas rayonnant. Sa meuf, elle a poil, mais elle est morte aussi. Attends, elle est morte de quoi? Bah, d'être à poil. Ah, de cause naturelle. Ouais, elle est littéralement morte d'être tout nu. Putain, là, les ch'tons qui sont attirés par la gravité du ouf. Ah bah tant qu'ils sont pas pleins d'hélium, oui, mon... ça va être ça, ouais. Et mon héritier me... Il me tabasse. Pourquoi ça me rappelle la scène, tu sais, dans le film Les Simpsons, avec l'Indienne là, qui indique la voix avec ses chonds-là, mec, je sais pas pourquoi ça me... Je vois même pas de quoi tu parles. Non. Mais si, il y a une grosse Indienne qui vit, je crois que c'est au Canada ou plus haut, et genre, en fait, il y a Homer qui est paumé dans la glace, il y a un genre de spectre de la vieille meuf avec ses gros... Chomblard, et il la balance gauche-droite, et à un moment ça indique la voile. Putain, j'ai pas vu celui-là, je vais aller. C'est le film. Dans le film, ça? Ouais, c'est dans le film. Putain, avec le dôme là? Ouais. Bah merde, je me souviens pas. Pourtant, je le battais en boucle à un moment, le film. J'en souviens pas du tout. C'est une Inuit, pas une Indienne. Ouais. tu joues sur les mots là. C'est un peu les Inuits, c'est un peu les Indiens du froid. Les Indiens du froid. Putain, c'est le color swap en fait. Bah, c'est Armac.
T'as pas le droit. Il est pas dans MK11, t'as pas le droit. Bon, ouais, il arrive. J'y peux. Ils ont préféré rajouter Rambo. Super. Rambo, il est cool. Ouais, non, mais j'aime bien Rambo, hein, mais Spider-Mac. Bon, c'est le seul un petit peu downsize du, enfin downgrade du pas du mode, mais de faire son propre perso. C'est que vu que du coup t'as pas de passé, si je puis dire, bah du coup t'as pas de prestige. Du coup tu peux pas faire la guerre tout de suite, quoi. Ah d'accord. Ouais, ça monte quand même. Ah oui, ça monte un 39 par mois, quoi, mais. Faut être patient. C'est au bout de combien que tu peux faire la guerre? Bah je sais pas, faut soit avoir 1000, soit être. Merde. Soit avoir 1000. Une bonne raison, quoi. Non, soit être en rayonnant. Et tu peux pas faire en sorte d'avoir des gamins un peu partout histoire de dire oh bah tiens, j'ai buté mon gamin. Comment ça, rayonnant? Oh, bah, attends, à moi. Attends. Et ton gamin, il a de la gueule, là, un peu le prochain, là. Il est stylé avec ses cheveux. C'est lui à droite, ouais. Ouais, mon héritier. Ton héritier, c'est ça, c'est le mot que je cherchais. Regarde. Petit Flo, bah ma femme est enceinte. Regarde. Il était de gagnant, mais il va tout péter. On va pouvoir remplacer. On va pouvoir remplacer. Mais c'est plus une femme, c'est un chenil. Mais attends, est-ce que. Attends. Mes enfants ont. Ah, elle compte pas. Donc le premier a 11 ans, le second a 9 ans, le troisième a 6 ans. T'as boulé, j'avais. Ouais, ah, bah, écoute, et là, j'y en ai un autre. Enfin, c'est incroyable. Il y a un rythme steady, c'est pas mal, hein. Mec, est-ce que tu peux l'appeler Marrakech, tu penses? Non. Non. Si ta femme, elle continue comme ça jusqu'à ce qu'il faille remplacer les pièces, franchement, on est pas mal, hein, niveau rendement. Et après, tu commences à vendre, hein. Tu fais des sorties, tu commences à vendre. Maintenant qu'il y a ses fers, il y en a un qui s'appelle Louis de Funès. C'est pas mal, ça. Ouais. Oh, putain, mec. Oh, Xavier, je sais. Xavier Dupont de Ligonnès. Ah merde, j'avais garde la pêche. Appelle-la garde la pêche, garde la pêche. Garde la pêche. Garde la gosse. Modati, jamais. Ça passe pas trop. C'est nul. Ça donne de Astérix, non mais t'es ouf, mec. Je mangerai au goûter. Oh la vache. On est con. Surtout toi. Je te laisse pas dire ça. Franchement, fais un effort pour Léon parce que t'es con. Ouais. Mathusalèche. Non. 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 Ah si, c'est bon, je peux faire la guerre avec mes revendications. Ok, je vais pas faire la guerre avec mes revendications. Attends, Oh putain, la vache. J'avais un truc bloqué là. La caisse de résonance quantique. Oh, tu l'appelles, je lâche une cache. Oh la vache, le bas-fond des égouts. C'est là où je me répands le mieux. Pourquoi elle a l'air c'est passionnant, ma bien-aimée s'amuse avec mes cheveux. Ouais, non, mais une claque. Dis donc. Mais une claque dans sa gueule. Vas-y, fous, c'est pas grave, fous-la en cloque tant qu'il y a un bon rendement de cloque. Mais j'ai lu, enfin, au lieu de dire ce décret, j'ai lu ce déchet. Oh la vache. Bof. Moyen. Hein. Oh, attends, du coup, hop, dégage. Ouais, mais je peux lui déclarer la guerre, mais cet enfoiré, il a plein de trucs. Comment ça, j'ai plus aucun allié? Ils sont tous meilleurs? Qu'est-ce qu'il y a comme nom de. De nom de bouffe? Eh, mais lui! Eh, mais Borutesh! Si, il est balèze. Oh, il est chaud, lui, mec! Borutesh, c'est compliqué, Borutesh, hein. Audacieux, il est. Ah, il est Vishnuit. Vishnuit, ta moule. Non, c'est. Non, pas Vishnuit. J'ai rien dit. Ta moule, c'est rigolo. C'est pas rigolo. C'est pas rigolo. Vishnuit, ta moule, je suis désolé, mais. Vous allez finir par vous aimer les uns les autres, bordel de. On s'adore. Non. Oui. Ah. Le mec. Non. On voit la tire.
Vas-y. Des chourverses. C'est quoi des chourvires? C'est les chourverses, c'est des petites chaussures mais qui tiennent pas trop parce que du tissu. C'est des chocs. Ok, toi si tu c'est quoi, ce serait quoi la marque de pompe la plus street cred du monde? Déjà les pompes Super U, j'aime bien. Oh putain, déjà t'es à ça. Alors t'es le seul dans ton collège en avoir. Des pompes Super U, ouais. Les chances. Après franchement, si genre quand j'avais 12 ans, j'avais déjà les pompes Lidl, j'aurais été une star. Franchement ouais, là en ce moment, j'ai 21 ans, je porte des pompes Décathlon, je suis content. Ils ont pas la ref. Ah, on déteste les inconnus donc. Les inconnus et les nuls. C'est vraiment de la grosse daube. C'est vraiment de la merde, ouais. Tout ce qui a fait pas une seule blague de marrante. Et là, tout ce qui a fait Alain Chabat est plus ou moins merdique, d'ailleurs. Mm-hmm. C'est catégorique, hein. C'est les scientifiques qui le disent, donc c'est pas moi. Ouh, c'est quoi ça? C'est écrit dans Télérama. Hein, mec, regarde le nom des points. 300 points. Il y a une seule putain de syllabe voyelle. Ça c'est le nom du gosse d'Elon Musk. Viens mettre la table. Par contre ça se prononce. Alors fais-le à l'envers. Très joli. C'est pas très compliqué finalement. Non, tu vois, ça peut se lire dans les deux sens. C'est un palindrome. Ouais, comme kayak. Comme bisous. Ok. Mais je Kinder Kun trait, je garde le trait sans cœur. Je pensais pas se dire ça un jour. Mais vas-y. Sans cœur et elle a même pas de surprise à l'intérieur. C'est elle. Attends quelques années, il y aura une belle surprise à l'intérieur. T'inquiète pas. Ça met 9 mois à fermenter, t'inquiète pas. Fermenter. Attends, c'est pas le terme qu'il faut. Vous avez des noms de villes en tête un peu marrantes parce que j'ai oublié qu'on pouvait changer les noms de villes. Noms de villes. Paris. Maubeuge. Genre on peut mettre un nom et un adjectif. Nos gens le retrouchent. Bien sûr. Je vais en faire ma capitale d'ailleurs. Brest. Non. Lyon. New York. Tourcouèche. Washington. Marseille. Ah oui, c'est l'adjectif le retrouche en fait. Ticana de nos gens. Ticana les Girondins. Les Girondins. Vas-y, attends, je vais faire Nantes quand même. Roubaix. Oh oui, non. Il faut que pas, il faut incroyable. Aucune bonne ville. Roubaix, il est fou. Non, deux Roubaix, pardon. Roubaix, des Roubaix. Nord-Pas-de-Calais, je trouve que c'est cool. Hein. C'est chiant pour te placer. Putain, c'est une double blague en plus. Mais oui. T'es malade. Il est fort. Il est balèze, lui. Putain, mais mec, je suis surpris en vrai parce qu'elle est cool, je trouve. Ça veut dire qu'ils se déplacent tous à pied là-bas. Mais ouais, c'est la première ville où ils ont interdit les chevaux à l'intérieur, donc ils sont tranquilles. Les chevaux à l'intérieur. Merci. Ils sortent ton cheval avant d'entrer quand même, lui tirer le parquet. Ou alors tu mets les patins. Les patins. Vous les êtes patins. Vous êtes incroyable. C'est comme ça que ça s'écrit, oui. C'est à la vie. C'est le pluriel d'incroyable. Ah la vache. Attends, la ville, elle s'appelait Tagadur. Ouais. Mais c'est incroyable comme nom de ville, Tagadur. Vas-y, je laisse. Hop. Ah putain. Du coup... On a nos... Je sais même pas le prononcer, putain. Nogenche le retrouche. Nogenche, on a Roubaix, on a Nord-Pas-de-Calais. Incroyable. Tagadur. C'est ça, la nouvelle dénomination. Le nouveau Astérix, c'est que ça se passe que en Inde avec Astérix en Inde. Des jeux de mots pour ça. Tagadam en plus.
Oh, ça, j'en ai marre. Là, mais ça, du coup, ça découle plein de blagues entre taga dur, taga mou, mais taga dans le trousseau. Ouais, forcément, quoi. Le menu de chien. Mec, le bac d'oche. Quand c'est pas les gars. C'est nul. Toulouche. Toulouche et Limouche. Toulouche. Oh putain. Je suis très faible. Je suis très faible. Il me faut une clope. Petite clope. Ouais, bon. Allez, tous ceux qui fument, surtout tous ceux qui fument pas, petite clope. Yes. Merde. Bientôt pour faire la guerre. Ah, un complot. Un complot. Oh, un complot. C'est ça. Allez. Hop, quel malotru object. Oui. On va aller. Bah non, il est pas encore dans mes jaules. Ton prochain gamin, t'as intérêt à l'appeler Saïd Tagma Wish. Putain. C'est quoi la blague déjà dans OSS 117 que tu fais tout le gratin qui est rôti sera. Il vaut mieux ça que le gratin de pommes de terre. C'est une astuce. Wipe out. Wipe out, mon gars. Parce que vous avez dit le gratin carotte. Oh, la vache. La vache. Ok. Mec, le problème c'est que j'ai plein de mots qui viennent à la tête, des expressions à la con, mais c'est genre, au lieu de se prendre une veste, tu prends une veste. Oh là 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 là. Oh, c'est nul. Carotte le légume, c'est bien, rompe ton tête. T'en as entendu parler de ce légume, c'est pas mon préféré, hein, mais bon. Ça coûte... La semaine prochaine, on attaque les navets, rompe tout. Ça coûtait trop cher, les navèches, pardon, les navèches. Mec, là, je l'ai lu comme ça. Carotte, le légume, ma vie, on est... Carotte, réalité ou mascarade. Mascarade. Oh, ça a changé, ça aussi. Oh, c'est bien c'est comme même ça. C'est une vanne. Il rajoute juste un cheveu, ça me fait rire. Il rajoute juste... Ça sert à rien. Ils se sont fait enculer, par contre. Ouais, c'est... et l'animation, ils l'ont changée, elle est bien. Du coup, c'est marrant parce que le nom LOLtruche il me fait rire maintenant. Mais du coup, il était indien depuis le début. Il était indien depuis le début. Oh, putain. Mais par contre, quand le jeu me dit qu'il y a eu des constructions à Roubaix. Surtout que c'est pas vrai. Il y a que de la dépression et l'alcoolisme. Si, Jeannot Janche. Vince, mec. Oh. Évidemment. Les tuches, mais bien sûr les tuches. On a faudra que j'aille aux toilettes avant de faire les tuches parce que... Oh, Tobler est chez adulte. Oh, il est beau. Oh la vache, je le vénère, mec. Oh putain. Avec Tobler, je le fais pas chier, hein. Ah oui, il grandit vite, il faut faire gaffe parce qu'on va plus avoir la place, hein. Tiens, hop, Marie Twee. Diège tuche. Putain. C'est une face de squale. Mais c'est ça en fait, on dirait un requin ton fils. Mec, okay. Non, il est lubrique, impatient et arrogant, donc c'est littéralement un requin. Oh la vache. Ah, comment il est chaud celui-là. Le sultan bâtard. Le sultan bâtard. Le sultan bâtard. Je me calme un peu parce que ah non, c'est ouais. Gros, hein. Une chose, ça pourrait être pire que maintenant. Enfin, on pourrait être pire que maintenant. C'est s'il y avait WAP sur le chat. Oh bah. Non, mais. Non. Il va venir après. J'ai fait une game de CS avec lui. Le mot singe est arrivé, tu vois. Et encore, il s'est calmé parce que les animaux de la forêt, il y a pire. Enfin, c'était Babinos. Il serait possible de faire un live Total Wipeout. Bah peut-être pas chez nous, mais ouais, c'est tellement. T'as une voiture à un peu d'espoir. On va voir sur une autre chaîne et certainement que ça arrive. T'as une voiture et un peu d'espoir.
Paul Walkesh. Tu l'as senti. Comment c'est de la merde en plus. Porsche Carrera. Oh c'est nul. Mec ça par contre c'est tellement pas bien. C'est Vishnu en fait, il s'appelle. Son vrai nom c'est Vishnu. Attends, pendant que c'est un chien. Je suis un petit siège, je vais faire pipi. Vishnu, Vishnu Itamoul. Vas-y, laisse-nous tout seul. Voilà, voilà. Bon, sinon, bonne journée. Bah écoute, journée, hein. C'est sympa, hein. Petite fibre, petit CDI, petite pute, petit friand. Ah, ça c'est bon, le friand. Ça va sur le chat, vous passez une bonne journée aussi. L'autre, il va pisser pendant un siège. C'est vrai que, ouais, il ose un peu, hein. Après, ouais, il s'en bat les couilles. Hein. Il est sûr de le gagner, le truc, donc... En même temps, ça dure des semaines, faut que tu pisses un moment, mec. Hein. Bah oui. Prochain gosse, faut l'appeler Jean Castex. Alors, c'est pas obligé, franchement. Il y a un film après. Après. Non. Après. Si, il a écrit. Il a... J'en étais sûr que ça allait venir. A priori, non. Après, tu peux regarder un film si tu veux, scolaire, hein, mais on le passera pas. Ouais. J'aime bien cette attitude de fils de pute. J'aime bien aussi. Alors, je viens de penser, un truc en pissant. C'est pas vrai. C'est que... Non, c'est pas vrai. Ah. C'est que là, c'est mon perso sur ma partie. Mais je peux mettre ma partie en multijoueur. Du coup, normalement, on peut faire en sorte que chaque perso de chaque personne soit sur une partie multijoueur. Et imagine! C'est la fin du monde en fait. Mec, ça peut être incroyable! C'est les pierres de l'infinité quoi. Tu ne fais pas passer steak russienne, si? Non. Enfin, steak passe un petit peu tout le temps si tu veux donc. Ouais, ouais, il passe là, avec le manche moi donc. Voilà, t'inquiète chez lui. Non, dommage. Pas non plus. Tu seras accueilli à sacré coup de présent mais. À bras fermés en fait. Bras raccourcis, X-Men. À clé de bras ouverts. À bras raccourcis. Hop. Ouais, mec, c'est pas. Moi, chaque référence à Astérix, ça me fait rire, moi donc. Vas-y, on a une nouvelle ville. C'était comment? Il a dit quoi, le taré dans le fond? Ouais, ouais. J'ai pas dit grand chose, j'ai juste laissé une caisse personnellement. Ah mais Toulouse, c'était bien. Hein. Ah oui. C'était pas mal. Ouais. On a déjà Roubaix, ouais. Ouais, 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 ouais. Ouais, c'est Toulouse alors. Siège d'Atoll. Son petit siège. Ça c'est marrant ça. C'est marrant ça. Meilleure blague de la semaine, hein. Ah mais faut que je donne Toulouse, Toulouse à mon fils. À côté de Fréjus. J'en ai pas lu beaucoup de ses œuvres à lui. Dieu est mort. Ouais, on commence à s'agrandir petit à petit. Là, on va manger tout chez Rat. Un peu comme ta fille. Oh la tante. À la limite, tu vas parler de temps, je sais pas pourquoi, mais c'est fait. Mais Keshua, ça existe déjà. Oui, ça existe, Keshua, ouais. Pourquoi le truc à côté. Ah non, putain, je croyais que c'était juste écrit chè. Chè. Dès que tu le captures, tu le renonces. Ouais, donc. Ah, mais. On fait comme ça. D'accord, faisons comme ça. Rachakuta. C'est pas rigolo, quoi. Le nom est un peu rigolo, mais ça m'a fait penser à choper la koum koum, mais je sais pas pourquoi. Choper la koum koum.
Objectif de mission, je la Comco. Nouvel objectif, je la Comco. Faire des. Pourquoi il n'y a pas des jeux français comme ça là? Les gens ont pas d'humour. Putain de FPS bien vénère. Et c'est genre, tu dois capturer un PC à un moment, t'entends, comment dire, de objectif mise à jour, je veux la Comco, c'est la Comco qui vous j'en prends. Franchement, ouais. Mais ça passe, hein. Putain, j'ai encore une pièce qui se prépare, dis donc, la vache. Calon de Navarre. Tu dis que c'est un virus, quoi, au pire. Attends, oh putain, je croyais que c'était. T'es Lougou. Oh. Marrant comme nom. Oh, non, non. C'est quoi en bas à droite? Vikramatitaide. Ouais. Vikramatitaide. Ouais, ouais, ouais. On va renommer ça Paris, hein. Paris. Oh la vache. C'est pas de vanne, hein. Je peux pas. Non. Ah mais Bangladesh, ça existe déjà. Ouais. Et oui. Enfin, ça existe pas encore. Ça existe plus même maintenant, donc. C'est vrai ça. Okay. Et Nick, tu fais Idriss Elbash. Gardons pour après. Archimède kebab. Archimède kebab, c'est bien. Oh, mec, Jean-Pierre Gabache. Eh, hey, mais il est. Mec, Toblerush. Toblerush, il est stylé à moitié quand même, hein. Mais mec. Avec sa beubeur là. Alors par contre, oh Borutech, il est immonde. Île de Fraîche. Ah oui, Borutech, il a pas eu de bol, ouais. Ouais, pour l'instant, garde la pêche. Garde la pêche off Marcarrière, off Marcarrière, c'est incroyable. Son modo, c'est vivre des Île de Fraîche. Des Île de Fraîche, c'est pas mal comme nom. J'aime beaucoup. Pierre Menèche. Mais ça fait un moment qu'il a pas eu de gosse là, qu'est-ce qu'il fait là? Tu veux que je la séduise? Mais bourre là. Attends. La séduire, que je la séduise. Il est con. Un coup de tête dans la touche. Dans la touche. Attends, juste que lui m'aime bien un petit peu, puis après. Ah bah voilà, regarde, on parle du loup. Et bah voilà! C'est pourquoi tu ris Spider qui est pas ça. Non mais dans ma tête, il y a eu un bâche-mâche qui est. Bon, Kinder Country chez adulte. Voilà. Yes! C'est quand on lui la surprise. On va faire en sorte que je vivante ce stream. Mais tu veux, c'est le truc de qui veut gagner 10 millions qui m'a rappelé ça là. Qui est le 44e président des États-Unis? Obama ski! Elle danse. Ce qui est chiant avec Kinder Country, c'est que le gamin il faut le monter. Ah non, je suis con, c'est Kinder Country, c'est pas Kinder Surprise. Bah oui. Ah non, juste avoir des grimberies dedans. ça va, on est en deux. Non, mais c'est du blé, ouais. C'est du blé? Ah oui. Ouais, c'est du blé. Je suis pas fan. Oh, mais j'avais pas vu que ça, ça a renommé. Quand tu zoomais. Du coup, il y a Toulouse, il y a Nogent. Il y a Roubaix là, mec, Nord-Pas-de-Calèche, il est trop bien. Nord-Pas-de-Calèche, ça passe trop bien en vrai. Mec, c'est vraiment trop cool. Michel Drucker. Faudrait en fait un vieux, quoi. Tu rencontres un vieux stage qui s'appelle Michel Drucker. Faut qu'il ait 350 ans en fait. Oui. Ah, il y a ce nouveau fils. Faut qu'il ait inventé la télévision, quoi. Vas-y, comment? Il y a un nouveau fils, comment on l'appelle? Philippe Etchebest. Oh putain, Philippe Etchebest. Oh, t'es ouf. Philippe Etchebest, c'est incroyable. Ça passe trop bien. Petit tiré. Il va cuisiner des trucs de ouf, lui. Bah, il va cuisiner pour son père, quoi. Avec son petit guinche. Michel Delpech. Oh, ouais. Putain, on l'a oublié. Non, là, je l'ai dit, mais bon. C'était plus marrant quand c'était Onyx. Ok. Il a mieux fait la blague. Okay, bientôt pour refaire la guerre. Bonne nuit, j'ai pas trollé à ma guise. Ah bah t'auras plus de chance demain. Allez, va te coucher. Il y a école. Ok. Attends quoi? Mec, mais je peux plus voir un mot sans.
Lui, un jeu de pêche. Je crois que le membre préféré de ta famille, c'est Michel Delpe. Garde la pêche. Ouais, non, vraiment. Je crois que c'est ma préférée, garde la pêche. Garde la pêche. Enfin, le hèche, ça va avec tout, quoi. C'est incroyable. Le hèche. Si on n'a plus de thunes dans les caisses, c'est la dèche. Garde la dèche. Et comment je fais pour le jardin, dit ? Garde la bêche. Balkanèche, non plus, non. Non, faut pas qu'on le gouvernement, lui, ça va partir en couillon. C'est la dèche, c'est incroyable comme nom. Faudrait qu'il soit au gouvernement, tu vois, qu'il s'occupe de la trésorerie. Jean-Marie Le Pêche, un peu rigolo quand même. Vous êtes de bonne humeur. Jean-Marie Le Pêche. Salut Jeanne. Salut Jeanne. La pêche. Ouais non, leur pied est petit, je pense que je peux l'annexer assez vite. C'est vrai que c'est la guerre quand même. Ils étaient pareils en 40 ans. Et oui. Bah ouais, la Pologne c'est de la merde, on va le choper vite. Blitzkrieg. Oh non. Non non, pas vraiment non. Méchanceté absolue. Quoi? Que tu viens de prendre. Ah bon? Le trait que tu viens de prendre s'appelle méchanceté absolue. Non. Un gain de redoutabilité de par tyrannie, hein. D'accord, par tyrannie. Chaque tyrannie, tu gagnes de la redoutabilité, d'accord. Par contre, ça fait chier, les Indiens, ils peuvent pas faire de... Ah, c'était Momo, ça. Il était à toi, Momo ? Ouais, ouais, c'était le mien. Ouais, ok. J'ai reconnu à l'écho, en fait. On a reconnu ton fumet. Allez, casse-toi. Va te coucher. Oh là là. Motif ta gueule. Très français, hein. Ouais, vous êtes très français. C'est français. Rosebud. Le bon d'Amapati. Peut-être qu'il est n'importe quoi comme blé. Ouais, encore quand il est midi, ça va. Ta gueule. Finis pas la vanne. La finis pas, je t'en supplie. Et bon d'un appétit, bien sûr. Putain. Tu penses qu'il travaille au gros journal, Jean-Michel la patiche. Non, c'est pas terrible, putain. Ferme ta gueule. Ah, putain. Et pourquoi on se permet ça avec l'Inde et pas avec les autres pays, putain. Ça s'y prête tellement, je crois. Mais oui, ils sont... Non, non, non. Non, t'étais parti sur un truc et même toi tu sentais que c'était mauvais, alors. C'est de la merde, mais j'aime bien. Ah bah oui. Et imagine, il y a un grand carnaval, mais il commence à pleuvoir. Tu mets la bâche. Oh, elle est nulle en plus, elle est vraiment pitoyable. Ouais, ouais, ouais. Le niveau 0, Bertrand Cantet. Faut que ce soit un terroriste. Mais c'est pas un terroriste. Attends, comment elle s'appelait sa concubine? Trintignant. Oh mec, appeler une femme. Y'a pas de blague sur Marie Trintignant. Appeler une femme sa concubine, je trouve ça assez couillu quand même. Genre, c'est un noble. Non, non, mais. Votre armée sera mienne. Quand t'as une concubine, t'évites de jouer à One Punch Man, quoi. Ça dépend si t'as du rab, hein. Oui, enfin, même là, je trouve ça un peu dur. Un peu fort, mon seigneur. Ah là là, la violence. Ah là là. Ouais. Midi 5. Midi 5. Oh.
Oh, les noms, ils sont incroyables. Dans ton conseil, il y a des noms, ils sont fous. Non, mais, enfin... Un truc, ça l'a fait de rire. Enfin, tout le monde a des noms. Ah ouais, mais j'ai mon. Bon appétit en plus. Moloch ou Moloch. Mais depuis tout à l'heure. T'as vu en haut à droite, il s'appelle juste Content. Ouais, ouais. Il... Rouvre ton conseil, il est juste Content. Content. C'est quoi, ça? Et tu fais quoi au gouvernement? Bah, ouais! Ministre de la Joie du gouvernement. Faut qu'il trouve une naine et un gosse et qu'il l'appelle Mimi Matiche. C'est nul! Mimi Matiche! Ça va, il a pas l'air trop dégueu, Philippe et Tchébèche! Il a l'air trop dégueu. Il grandit bien, et Tchebège. Qu'est-ce qu'il y a? Non, mais attends, je peux pas. Il y a eu le fascisme. Le fascisme? Parce que j'ai mal. De quoi? Il a juste rigolé au fascisme. Vraiment? Vraiment? 6 millions de morts, ça te fait rire? T'es ton meilleur public en fait. C'est pour moi, public. Bref. Qui alors de petite rèche? Ferme ta gueule. Nouvelle ville. Oh bah. Cholamam dalam. Cholamam dalam. La Marrakech, franchement. Dam dam. La Marrakech, c'est déjà une ville. Mais oui. Mais pas encore. J'aime bien l'île de fraîche. Ah oui. L'île de fraîche. Mais y'a même plus de blague, mais. Si, de France. Non mais oui. Oui non mais. En plus il me prend pour un con. Il a l'audacité quoi. C'est un logiciel. L'audacité. C'est qu'en même temps tu t'enregistres. Pour un con quoi. Normandie. Non. Après c'est tu fais des bons repas quoi. De quoi? Ouais. Une petite blague avec l'anglais quoi. A dish. Ah. Vas-y, là évident. Chaîne Saint-Denis. Ça veut rien dire, hein. Ouais, parce que c'est sûr, depuis tout à l'heure, on est très censé. Voilà. Mais non, mais enfin. Taboulistiche. Hop. De quoi? Toi aussi, t'es à court. Ouais, oh. Mec, gel, monte la joliche. C'est pas mal, ça. Pas mal. Ça, c'est pas mal. C'est bien. Dunkerque aussi, ouais, ça passe. Dunkerque, c'est pas mal. Hop. Ah. Juste, hop. La roche sur Liège. Je suis pas sûr. Ouais, ouais c'est là, moyen quand même. Ouais, on a repris un petit peu du sud. Saint-Jean-de-Monche. Non. Oh, bon routage chez adulte. Oh là là. En plus, il a un petit turban. Mais on a tous un turban, top, mais... L'île de Rèche, elle est sympa. Non. Si. J'ai jamais foutu les pieds. Non, mais c'est pas... Mais c'est pas le... Mais on s'en fout. Je connais pas, hein. T'as cru que j'ai déjà été allé à Maubeuge? Bah non. Ou à Roubaix. En personne, hein, d'ailleurs. Non, c'est... Faut... Maubeuge. Nulle part. La Franche-Comté. T'as pas fini toi. Vas-y, on va aller bouter des connards. Oh, y'a un zoo à Maubeuge. J'y crois pas. C'est un mensonge du gouvernement. La France, tu connais pas, Yadar. Zoo avec félins, hippopotames, girafes et animaux du monde. Dis donc. Ouais, ça veut dire qu'il y a des habitants qui y sont aussi, quoi. Ouais, c'est ça, ouais. Non. Ils ont un zèbre. Mais du coup, Yadar, toi, t'es plus picard. T'es haut de français? Non, 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 je suis picard. Haut de français? Haut de moi. C'est de l'eau de moi. L'odeur de moi.
putain, mais il me casse les couilles. Sur Google Maps, on s'en regardait dans Maubeuge. Oh, ça va être incroyable. Franchement, mais non, mais il y a pire. Hein. C'est juste le nom hein, qui. C'est ça, c'est juste le nom. Parce que, enfin, il y a des bleds vers chez moi, c'est pire. Hein. Mec, tu tapes des Calais, mec. Oh. Calèche. Ça. La pharmacie Marie Pelletier. Non. La pharmacie. Oh. Ils ont une librairie papeterie. Trop bien. Ils ont un Otakos en face de la librairie papeterie. Oh. C'est peut-être pas si top que ça finalement, Maubeuge. Mais si ça déboîte. Mec, un Otakos. Ah ouais, des petites trompettes. Il y a un optique 2000 à côté du Otakos, si tu veux. C'est au cas où si tu vois mal ce que tu bouffes. Non mais justement, c'est pour qu'ils te foutent des trucs dans les yeux pour que tu vois pas que tu manges finalement du rat, et etc. Comme la pointe. Comme Bobby. Mais enfin, je peux modifier le contrat de Takour Boroutej de Mantes-la-Jolie. Il y a rien qui va. Il hein. Y a vraiment rien qui va. Hein. Mec, c'est incroyable quoi. Ils ont un artisan pâtissier. Un boulanger. Ils ont une maison du rideau. En face de la boutique des fées. Eh, c'est chaud, Maubeuge. Hein. Mais j'ai plus de médecin. T'en as pas spécialement besoin. Si, quand même. Ils ont un bar avec une putain de banderole Cronenbourg. Et le bar, il s'appelle l'Excelsior. C'est trop classe. Stanley, il va gueuler. Ça change du Balto ou du Bicafé de la Gare. Oui. Ouais, Café de la Gare, ouais, bien sûr. Non, c'était quoi? C'est la rue des bons copains. La rue des bons copains. Ouais. Hop, au bûcher. En Belgique, je crois que le nom de rue le plus courant, c'est genre Molenstraat, enfin la rue du Moulin. Quoi. Je crois que c'est le nom le plus courant. Quoi. Vous avez pas tellement de moulins en plus? Si, on a beaucoup de moulins. Enfin, on en avait. Ils ont un salon de thé oriental slash kebab qui s'appelle le Touareg. Incroyable. Comme mon SUV. Mais... Eh, hey, mais garde la. Ça va, plus elle grandit, plus ça a l'air d'aller, garde la pêche. Hein. Elle est fraîche? Ça va? Ouais, faut le dire vite. Hein. Oui, enfin par rapport aux autres. Enfin, Smarties, c'est marrant. Tu veux par rapport à Boroutej, c'est le jour et la nuit. Ah, ouais, non, mais oui. Boroutej, il a vraiment pas eu de bol. Hein. Oh, Philippe Etchebèche, ça va. Ça va. Il coupe la con quand même, Philippe Etchebèche. Il a quel âge d'ailleurs ton atronac de haine? C'est vrai, il a quel âge Bah là, il a 53 ans. Ah ouais? Vous savez comment ça va, la barbe qui blanchit? Et il est en bonne santé, ça va. Il a pris du poids ou pas? Non, pas, j'ai pas l'impression. Toujours vichnouite? Toi, oui, toujours. Ah, niveau. Tête, mon dieu. Ouais, oui. Niveau succession. Tête, oui. Ouais. Niveau succession, on incarnera Toblerèche après. qui est incroyable. Hein. Et il a l'air vraiment vénère. Il a vraiment une tête de. Oui. Mec, un canne, quoi. C'est Gengis Khan. Est-ce que. Est-ce que. C'est un Clovis Cornillac oriental. Mais des ouf en vrai. Si c'est no joke. Ah ouais mais autorisé de mariage. Toblerèche de Toulouse. Ah ouais ça j'ai pas regardé comment ça se passait. J'ai oublié comment on faisait. T'as oublié comment ça se faisait le mariage? Non, ça je sais, faut la forcer, mais je parle de l'héritage. Ah yes. Ça c'est bien. Yes. 2020, j'adore moi. Tu vas perdre du pays. Ah non, hein. Tu vois les titres perdus, il y en a 3. Où tiens? Je sais pas. Bah si, là, ouais, titre perdu à la succession. C'est marqué à droite. Mhm. À droite. Ouais, mais... Ah oui, pardon. Ouais, mais ça, je sais pas comment le changer. Ah oh, mais faut pas me demander, j'y connais rien. Oui, non, c'était plus de la rhétorique. Oui, c'était de la rhétorique, ouais. Ouais, bah, si, après, si tu veux, on fera la guerre à nos frangins, hein, c'est pas... Yeah.
Si quelqu'un sait, dites-le moi, mais... Ouais, je pourrais déshériter, mais le truc, c'est que j'ai pas assez de place de domaine, en fait. C'est ça qui est chiant. Il est d'une nonchalance, ton perso, tu trouves ? J'ai l'impression que c'est un parangon de la droitesse. Bah ça va bien sûr. La droititude. La droiture. J'aime bien la droitesse, droititude. À la chair, de ma chair. Ah, j'ai découvert les mottes. La grosse motte. Spectre Pascal Planter. Comme le rhum ? Non, comme mon père. C'est quoi une motte ? Pourquoi t'as découvert les mottes ? Ouais, des voies, les bâtiments de fortification de l'ère tribale. Ouais, bah, ouais. Ah, oui, ouais, comme la grande motte, en fait. Okay. Après, là, j'ai pas de thunes, donc... Ah oui, je suis en déficit, d'ailleurs. Très chill. Un peu. En même temps, j'ai tout dépensé en guerre, donc... Oui, vous avez des dettes, oui, bah, je sais. C'est pas ça la partition confédérée là, c'est pas ça qu'il faut. Bah non, ça c'est tous les enfants héritent de la même manière. Du coup, ils ont tous leur bout de pays. Bah justement, c'est pas ça qu'il faut changer pour qu'il y ait qu'un seul. Bah si, mais je mets quoi, enfin genre haute partition. La part du bien de titre revient à votre héritier du joueur. Ah oui, d'accord, ok. Il me faudrait ça quoi, mais. Ouais, j'ai pas héraldique. Et héraldique, c'est loin. Bah oui. Enfin déjà, c'est pas à l'air tribal. Non du tout. Ouais non, ouais, ça au Moyen-Âge classique, Heraldic, donc si tu veux, en attendant, on va serrer le fion et puis... Tu peux rien faire, quoi. Après, c'est... Le truc des blasons, hein, c'est ça ? Bah là, pas vraiment, bah, là, non. Mais oui. Mais du coup, c'est jouable, hein. Il faut choisir unique héritier en dessous. Ouais, mais je peux pas pouvoir choisir non plus. Ah, du coup, c'est mon aîné, quoi. Mmh. Ah, il me faut prio. Ta gueule. Oh, ta gueule. Non, mais si, c'est rigolo. J'ai envie de regarder. Oui, non, c'est trop loin, de toute façon. Putain, je fais un drap conquis, ça. Vas-y, attends, c'est quoi ? Putain, mais... Non mais si, Poléon. J'ai vraiment 5 ans. Même Romdou, il a fait néné. Putain. Oh, tu pas de ta choquette. Ta choquette. Eh ben. Ah, je suis choqué, ouais. Là. Ouais, je suis bilingue, j'ai... Fais pas ta mijotée, hein. Bien sûr, j'en ai encore une autre. Attends. Voilà. Mais elles sont silencieuses. Ben non, c'est une soprano. Parce que je me retourne pas sur le micro, j'évite de lâcher les pieds sur mon filtre anti-pop. Filtre anti-pop MDR. J'aurais rigolé au filtre anti-prout, mais filtre anti-poop, ça me... Ouais, non, c'est un peu tout, quoi. Ouais. Que dalle. Ouais. C'est dommage. Pas de bol, hein. Ça tient, ça. Quoi ? Ah. Quand je vois tous ces autres chefs d'État qui sont tout petits et tout malingres, alors que toi tu joues vraiment Tractopelle premier. Ouais, enfin. Ah, eux ils sont toujours. Ça fait 50 ans ils sont à poil. Hein. Ouais, 50 ans à poil, ils ont pas encore découvert la technologie. Ils sont pas très malingres. C'était pas ta meilleure. Hein. Oh, j'ai un. J'ai laissé un peu mariner dedans. Ah, mais j'ai Kinder Kuntresh qu'un gosse. Ah, nice. Mais tu l'appelles Kinder Surprise. J'avais Nagish, mais Kinder Surprise, c'est mieux. Nagish pas longtemps, elle va la crèche. Oh là là. T'es presque intelligent, dis donc. Quelle affaire, c'est une pute. Plétine. Plétine. Vos gueules. Oh, ça la barbe, ça quand même, ça cache un petit peu le...
Le reste. Non, c'est pas. Non, mais ouais, le reste. Tant qu'on voit que les yeux, ça va. Ouais, bien. Mais. Faire comment ils évoluent. Ouf. Ah, Kinder Kuntresh. Elle a pas été favorisée non, par la vie. Hein. Ça, elle garde la pêche pour l'instant. Non, non, non. Mais non, mais. Ah, non, Philippe Etchebesh, il a pas de bol. Hein. Ah, les oreilles partent un peu en couille là. Ah, bah ça, c'est ici, ils prennent du père, c'est mort. Hein. Mec, c'est tellement rigolo. Putain, j'avais pas vu, il a quand même pris un sacré coup de vieux, ton perso. Ouais, bah 55 piges, hein, mais bon présage. On voit pas les oreilles parce qu'il a le turban, donc ça va, tu vois. Ouais, attends, si tu veux. Ah, c'est pas un turban qui s'appelle, je me souviens plus comment ça s'appelle ce truc là. Ah, oui, ça... Serviette. Serviette inversée, le petit bol serviette. Ouais. Enfin, regarde, enfin. Ah, ouais, voilà, dès que t'enlèves, on voit l'étendue des dégâts, quoi. Oui. Oh mec, il était trop cool son. Le turban avec le foulard là. Le turban foulard, ouais. C'est pas mal. Hein ? Pourquoi ? Pourquoi j'ai regardé bizarre ? Du coup, non, ça, s'appelle un, ça s'appelle un pas gris. Oh la couronne avec turban. Ouais, mais les oreilles, il y a des passes aussi. Non, au-dessus. Ouais, bah, c'est turban décoré avec voile. Ouais, bah, les oreilles, il y a des passes. Là. C'est vrai qu'on voit des bouts des oreilles. Oh la cu- la cu- la couronne. La, cu- la, cu- la culotte. Mais c'est un vase. Je pourrais pas m'empêcher d'essayer de mettre des frosties dedans quand tu regardes pas. C'est une petite caca, eh. Oui, Boléon. Quoi, c'est bien le chapka, j'aime bien. Non. On est en Inde, Boléon. Non, t'aimes pas les chapkas, arrête. Ça va à personne, les chapkas. J'ai jamais dit ça à quelqu'un, mais c'est très confortable. T'as l'air d'un con. Un con. T'as un balcon tous les jours, ouais. Je préfère un froid qui est dans qu'avoir un con. Franchement. Il y a des moments où faut souffrir, quoi. Faut une échelle pour mettre des frosties dedans. Même en fait, toute la journée, tous ces sujets essayent de lancer un coup qu'ils voient, tu vois. Ça fait tic. Oh putain, y'a dessus. Pardon ? Non, rien. Tranquille. Non, tout va bien. Le soir, il s'assoit à côté de son lit, tu sais, il fait ah, grosse journée, il enlève sa couronne. T'as genre un paquet entier de frosties qui tombe, genre ah merde. Mais non, mais du coup, faudrait qu'il lance des Nesquik. C'est bien plus rond et du coup aérodynamique. Ah, pas con! Attends, parce que du coup, les frosties, si tu veux, c'est chiant, si tu veux, le niveau aérodynamisme, on n'est pas. On ouais, est mais pas justement, c'est plus dur, enfin, c'est plus galère, tu vois, tu peux le mettre juste. Tu sais, tu fais une pichenette avec ton index, tu le mets sur le long, tu vois, tu... comme ça, là. Une esquiche, ouais. C'est... Non, une esquiche! Une esquiche! Si, c'est rigolo! Je suis désolé, t'as pas le droit de dire que c'est pas rigolo. Ouais. Allez! Salut! 5, ouais. Et je suis généreux. C'est vrai que t'es généreux. Ouais, mais... De nature, tu donnes, quoi. Ouais, je donne toujours. Ah, Angélique. Elle a pris. Elle a pris sa pété. Grand bisous, hein, sa famille. Ouais, j'ai niqué dans tes contrées, d'ailleurs, j'ai. Je l'ai passé, t'es pareil, elle était frontière pour aller péter l'Angélique. Après, elle savait pas où elle était, elle avait la tête dans le tableau de bord. En fait. Sur la R15. Non, pas la R15. Non, mais non. C'est pas une bagnole, la R15. Et... Oui. Oui, putain, elle s'arrête. Elle voulait pas sortir. Un peu comme un... Sur le capot de la Nevada. La la la. Depuis tout à l'heure, tu fais plein de trucs, je sais pas ce que c'est. Non, mais là, il y a des non, gens... juste une carte qui bouge. Il y a des gens qui essayent de me fumer, là. Tu fais la guerre ou pas? Non, là, tranquille. J'attends d'avoir un peu de thunes quand même, et parce que là, faut que je fasse des revendications. Et de toute façon, c'est chiant. Vu que je peux pas avoir plus de propriétés en fait. D'où ? Ouais, des promesses. T'as quelqu'un qui voulait m'assassiner, mais je sais pas qui. C'est son nom, je sais pas qui ? Franchement, ça m'étonnerait pas, mec. Je sais pas qui. Ça pourrait, hein. Je sais pas qui, ouais, c'est pire.
Essayer de m'assassiner chez le Paki. Ah, il a moins de... Je suis pas sûr qu'en Inde, il y ait beaucoup de Pakistanais. Ah oui, mais, voilà. Pardon. Soumis ma scène. Hop, petite guerre. Les Indiens. Soumis ma scène, les Indiens. Bonjour, les Camerounais. C'est Toblerwich ça, putain, il a bien évolué. Hein. Ouais, Toblerwich avec un petit peu de barbe et fringué pour aller faire la guerre, ça va. Hein. Il y a du charisme hein, avec son chapeau rigolo. Hein. Du charisme. Ça, c'est marrant. Mec, les obligés, les dialogues. Allez-y, Toblerwich. Faites-vous plaisir. Tu vas faire la guerre là. Ah, ouais. Contre le pays du Lambada en plus. On peut avoir Lambada. Lambada Land. Lambada. Putain, mais y'a quelqu'un qui a voulu. Y'a quelqu'un qui a voulu m'assassiner et après il a essayé d'assassiner ma femme. Ah bah attends, le gars il est pas venu pour rien. Putain. Et y'a un skate mange la jeune. J'ai loupé le roi, je vais niquer un truc quoi. Y'a pas voilà. Des ennemis qui ont débarqué chez toi là. Si si mais là, là tu vois c'est là où je suis craqué vu que j'ai fait plein de... Comment ça s'appelle? D'onagre. Je fais des guerres éclairs. Du coup en un mois je nique sa ville alors que lui bah il en est pour 6 mois quoi. Ah, ça marche comme ça la guerre. Pas vraiment non mais on va dire que là oui. Mais pourquoi c'est un mec tout nu? Bonjour, je vous présente ma kékef. Sire, sire aussi ma queue. Sire, sire. Quoi? Ma kékef. Oui bah, ça fait trois fois que je la vois. C'est bien, bravo. Allez, ah, enlève ça là. Je vais pas aller bosser plutôt. À chaque fois qu'il fait quelque chose, il entend sire, sire. Il est en haut des remparts, t'es en train de faire l'hélicoptère et tout, tu sais. Oui, j'ai vu, bah. Super. Tu peux pas l'empêcher de prendre l'air après. Hein. C'est la vache. Mais ils t'ont piqué un bout de chez toi, non? Non, mais là, ils ont conquis... Attends, Hop, je vais assassiner un fils de pute. Là, ils m'ont... Non, ils m'ont juste... non, merde, comment on dit? Enfin, en prison. Ils ont plus devoir piquer le bout de tout. Ils m'ont assiégé un bout, voilà. Ouais, c'est marrant. Comment j'ai mis. Et c'est vendredi. C'est vrai. C'est vrai qu'on est vendredi. Eh ben, il a été à l'école, le con. Hein. Le con, quoi? La gratuité du mec. Momo, il s'est réveillé depuis 500 ans. Le mais... Et ça y est, le con. J'imagine trop une mère dire ça de son fils. Et, ah, il est super intelligent. Et, le mec dans le fond qui a vraiment aucun tact. Ah bah, il est intelligent, le con. Il est plus malin qu'il est beau, hein. Il a littéralement un petit truc qui s'appelle Candy. C'est Candyland. Ah, dans Kill Bill. Encore une comme ça, je te viens. Non, mais non. Hihi, mais... Rigole, rigole. Qu'est-ce qu'on se met là? Découpe des trous dans leurs vêtements à des endroits inappropriés? Non, j'ai payé pour qu'ils fassent une soupe. Qu'est-ce que c'est que ce jeu, la con? Non, mais en gros, là, soit je peux l'empoisonner avec des champignons, mais ça me coûte de la thune, soit je peux lui faire des trous dans ses vêtements. Et lui glisser des... je pense un serpent, une araignée... ça, mais ça qui plus, ça. Alors ça, tu fais super... Mais quoi, au hasard, comme ça, dehors.
Non, 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 un mec qui a voulu m'assassiner, du coup je l'assassine en retour. Bravo, très mature. Oui. Belle ta justice. Pour son âge, ça va. Fait des bêtises. Ah, mais mon, putain, mon 75%. Tu baves, hein. Je t'entends baver, hein. Ah bah ton steak, hein, c'est compliqué. Voilà, tu mis dedans. Tu peux aller à l'école, toi aussi. Oh, mais tu y es. Là, c'est pas drôle. C'est Rosanna Arbe. Ah, Rohanna, merde. Mec, Rosanna Arbe. C'est quoi, Shurverse? Je sais pas ce que c'est, Shurverse. C'est sponsor Shivers, par contre. Me provoque pas. C'est pas Poléon qui bavait, c'est Spider. Putain, ça y est, c'est encore de ma faute. Il est pas humide, Poléon. Il est plutôt seul. Il est sec. Putain, y'a un mec qui. En fait. Il est borgne dans, mon... dans ma prison. Vole-lui son bordeaux pour faire chier. Ça fait 3 mois qu'il est là. 4 mois. Mets le bordeaux sur le coin. Comme c'est indiqué. T'as voulu un bordeaux, vous faites chier. Ah, mais il est fort! Il sert pire pour Poléon. C'est pas moi qui bavais! C'est ça, c'est à lui que j'ai répondu, calme-toi! Il s'emporte toute la Benalla qui est détends-toi là! Benalash! Benalash! Hey, il caille en vrai! Et on part sur une discussion de vieux! Je me suis enveloppé dans un plaid également. C'est... Putain, j'avais pas fait gaffe, mais attends. Regarde le nom de mon médecin. Puroïte Niyaya Paripala Patane. Yapati Yapata. Paripala Niyaya. C'est dur à porter, hein. Ouais, ouais, ouais. C'est dur à. Comment dire. T'imagines le maître de cours qui doit s'exprimer à chaque fois que l'autre il arrive dans la pièce. Allez-y, Niyaya Patala Patapa. Ah, vous pouvez m'appeler David, hein. Je préfère. Choukran, David. La choukran, David. La choukran. Code roux. Code roux. Code roux. Code roux. Des enfants. Mmh. J'ai 5 ans, hein. J'ai 5 ans. Ah, il t'approuve même pas, Naya Naya Naya, là ? Non, 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 mais c'est parce que je viens de le... Oula. Oh, putain. La guerre is getting tricky, par contre. Ouais, je vais te faire enculer, ouais. Hop. 6000 contre 3000, je peux... Oui. Vas-y, on l'appelle bien. Comment, la... Ma fille, la fille de ma fille. Comment? Non, non, non. C'est la dèche, c'est la dèche, c'est la dèche. C'est un côté mignon en plus. Ouais, c'est sympa. Fais chier, faire détruire. Oh, attends. Je peux pas. Je peux rien. Bon, bah. C'est type. Ah, mais. Oh, Philippe et Chébé, je. Ah, ouais, y'a plus. Tu t'es fait tabasser, hein. Ouais. Il veut une toupie depuis longtemps. Il veut une toupie ? Oh, je reviens loin toupie, en plus. Toupie, toupie magique. Ah, oh, garde la pêche et adulte. Oh non, ses oreilles dépassent de son voile. Ah, c'est dommage parce que sinon elle aurait été un peu fraîche, mais non. Attends. Bon, quoi, des fois, ça joue à pas grand-chose, hein. Ouais, mets un truc, voilà, un truc bien. Là, ça, ouais, bon, enfin, c'est pas un homme byzantin. Ah, ça, non, c'est pas incroyable le homme byzantin sur une indienne. Hein. Oh, le grand turban. Oh la vache. Ah, ah non, c'est subsaharien, mec, y'a rien à voir. Ah, c'est bon, ça dit un petit dupata. Ouais, mais ça passe. La dupata, c'est pas mal. Ça passe à travers ses mains. Parce qu'il a froid, du coup. Mais tu préfères les oreilles ou les mains? Les non, c'est bien les mains. Ah, ouais, mais ça change rien en fait. Putain. Tu grandis bizarre aussi! Ah
Après, il y a le logo LMF en haut à gauche, donc de toute façon, on voit pas ses oreilles. Yes, mais vie. Ah non, mais j'avais pas appliqué, je suis con. Ok. Ok, on peut marier Garde la Pêche. Ah. Y'a pas un mec beau dans l'assemblée ? Ah bah si, tiens. Ok. Putain, par contre, je peux appeler aucun allié. Si tu peux, ils disent. Ah si, j'ai un allié, ouais. Un allié. Un. Parenthèse. Bon, les copains, je vous laisse. Bon courage, Yadar. Ouais. Merci. Bonne guerre. Bisous. Merci beaucoup. Merci d'être passé. Bisous tout le monde sur le chat. Et à demain. À tout le monde. Ouais. Gros stream demain en plus. Oui. C'est bisous. Vrai. Bisous, gros, demain. Connard. Adieu, Rue, mais il revient. Hein. Non, mais il est mort. Enfin, demain, quoi. Entre temps, il est mort. Il ressuscite demain, en fait, c'est ça ? Oui. Ah, mais là, il doit aller se coucher parce qu'il a. Enfin, il y a le lever du soleil bientôt. Dans sa contrée. Je pensais qu'il était 3h du mat. Putain, le temps il passe vite. Bah, quand on s'amuse. C'est vrai que le temps passe vite. Moi, je pense que j'irai dans une demi-heure, là. Ah, demain, ça va être bien. Demain il va y avoir du casual. Ouais, demain, calme. On va se marrer, ouais. Ça va être plus calme. Ça va être moins vénère, en fait. Parce que ce soir. Ce soir, ouais, on s'est un peu déçu. Ah, c'était bien. Si c'est la pleine lune ou quoi, mais. Putain. C'est la lune du chasseur. Ta gueule. Du trèfle. Bah, oui, voilà, ouais. Je peux plus rien dire. Non, t'as juste le droit de fermer ta gueule, c'est tout. Comment ça se tient en italien, Momo? C'est pépé. Je parle bien italien. Oh putain, il est fort! Ah bah, mec, il a de moins en moins d'yeux. Monster World. Comment il s'appelle dans mon perso? Ouais, je m'en fous. Ah, je viens de traiter de ma fille de catin. Mais non, mais le truc, c'est qu'il a plein d'yeux, ouais. Mais on les voit pas et c'est terrifiant. C'est ça le problème. Hop. Putain mec, j'ai 7 gosses. Enfin. Ah oui, j'avais 6. Non, qui est parti en... Qui est parti. Sur ma partie, oh putain, j'avais 15 gosses. Attends, j'en ai un double. J'avais 15 gosses, tu m'as garde la pêche, elle a mis une doublette. Vas-y, allez les idées. Ah putain, j'ai pas d'idée. Le chat aussi, hein. Ah mais on avait pas dit Gad Elmaleh. Oh mais si, mais du coup, attends. Mais oui. Oh mais oui, mais non, mais Melon et Melèche. Ah bah oui, Melon et Melèche. Melon chez Melèche, mec, mais c'est bien sûr. Genre, non mais bien sûr, en plus c'est des jumeaux, quoi, enfin genre oui. Melon et Melèche. Mais oui, enfin, ça s'écrit tout seul. Putain, mais... Catastrophe, ça se trouve. Mais en plus, c'était pas la fin. Au début, j'étais en train de créer un autre perso. Et le jeu, il a tellement pas aimé, ça a fait reboot tout mon PC. Mais genre, sans l'éteindre. C'est juste tout reboot, tout seul. Ouais. Ouh là là. Ouais, bon bah ouais, c'est une lose. Putain, mais il me fait chier lui là. Du coup, tu gagnes ou pas? Du coup, j'arrive pas à comprendre. Là, c'est chaud. J'ai perdu un fils. Il s'est fait attraper. Oh, c'est qui t'as perdu? De quoi? Non, c'est Borutech qui s'est fait. Il est en prison là. Ah oh, merde. Ah, mais c'est pas la fin.
Oui, non, passe par la mer. Et comment il s'appelle le maxi stylé là, le celui qui ressemble à Clovis Cordiac? Attends, j'ai oublié. Putain, mais attends, je vais encore l'oublier. C'est. Ah, Toblerush. Il s'appelle Toblerush. Mais en fait, tout le monde est en train de péter un plomb dans ton royaume, non? Ouais, non, mais là, c'est juste parce que l'autre enculé, il a un allié en fait qui est super. Super fort. Et tu veux enculer l'allié et ensuite te focus sur l'autre? Mais non, mais faudrait que je capture tout son putain de pays en fait. Sauf que là, là, je passe par lui en fait et du coup ça m'encule un peu. Voilà, je vais pas passer, je vais prendre ça. Parce que le truc c'est que... Ouais bon, les 4 mois quand même ça va vite. Ouais, ça va être tendu mais c'est pas impossible. Ça, ça va se prendre en 2-2 normalement. Non, non, j'ai pas d'autres alliés. Hop, charge. Non, attends, je suis con. Mais putain, son allié, il est à poil en plus. Je peux même pas l'assassiner. Et lui, je peux l'assassiner ou quoi? Non. Sans bomber. Nice. Hop. Philippe Etchebèche qui est brave, voilà. Ça s'écrit tout seul. Hein. Oui. Bah ça, oui. Ça s'écrit vraiment tout seul. Hein. Qu'est-ce que ça avait l'air bon, ces putains de pâtes au fromage, là. Putain, mec. Ah non, c'est chaud, 7 mois. Ah ouais, je bavais devant cette vidéo. Ouais, ouais. Elles ont l'air bonnes de ouf. Même un truc à la con, tu vois. Mais genre, c'est Croque-Monsieur aussi, hein, de la semaine dernière, là, mec. Mais c'est tu sais, quand ils montrent dans les émissions une omelette, tu vois. Ouais. Rien que les omelettes à la con, tu vois, je sais faire une omelette. Mais tu te dis, putain, c'est mieux fait, quoi. Bah, oui. Et t'es là, genre, mais comment il fait pour que ce soit mieux? C'est des œufs. Hein. Bah oui. Mais. Ah ouais, mais son croque-monsieur aussi, enfin. Ouais, non, bah là, c'est loose, là. Paix blanche? Et tu me diras, après, bon. Lui, je pense qu'il fait tellement de sport que ça le dérange pas, tu vois. Ouais, c'est ça. Il fait toujours du rugby ou... De la boxe. Maintenant, il faut encore de la boxe, parce qu'il faisait du rugby à un moment, je crois. Je crois, je sais pas. Je sais que c'est un énorme fan de moto. Oui. Je viens de voir un truc, tu sais, une news de Média Avenir, là, tu sais. Ils font tout le temps des flashs sur ce qui se passe un peu partout, tout ça. Mm-hmm. Et il y a eu un flash. Alain, 300 kilos, va être extrait de son logement mardi. Ah, mais oui! Depuis un an sur le sol de son appartement de Perpignan, au milieu des détritus. Une grue de 100 tonnes avec une flèche de 60 mètres, et entre 30 et 40 personnes vont être mobilisées. Oh la fuck! C'est comme dans l'épisode de Dr. House, où ils ont un mec de 250 kilos, et ils sont obligés de l'amener. Enfin, ils peuvent pas le passer à l'IRM parce qu'il est trop gros. Oh là, c'est la merde. C'est chaud, hein. Ils ont fait la même scène dans Scrooge, mais du coup, eux, ils vont à l'IRM du zoo. c'est pas le même humour. Mais pourquoi elle a poil, la prisonnière? Non, mais... Bah, hein, elle est en prison, elle va pas non plus voir des fois. Ah mais non, c'est pas la prisonnière, c'est une... Elle est collée non plus. On est pas l'armée du salut, ici. Déjà, avoir une armée du salut, c'est bizarre. C'est ce que c'est l'armée du salut, c'est... Ok. C'est parce que je me disais, un peu dans incertitude. Oh, j'ai Seladesh qui est en prison. Ah, pour le coup, ouais. Bah non, mais bah, c'est fait capturer, quoi. C'est pas grave. C'est pas grave, on va se relever. C'est pas trop grave de perdre. Hop, je me rendette un petit peu parce que c'est comme ça que ça marche. C'est ça l'économie, mec. C'est ça le capitalisme. Et oui. 62 ans, santé correcte. Bon, t'as... Ouais, faut voir que je rectifie le contrôle du cal par contre, parce que là c'est chaud.
chaud vu que ça pue sa mère. Le contrôle du Ducal. Non, Comtal. Il y a les deux. D'accord. Je sais pas. Putain, 50. Non, vas-y, dégage. Trop cher. Ah, Ducal, genre des ducs. Putain, la vache. Bah, enfin, on est dans Crusader Kings, hein. Oui, oui, mais excuse-moi, moi, je suis. Enfin, bon. Je suis sur les termes techniques et tout. Ouais. Enfin, ça, enfin que revendre des prisonniers, c'est un bon marché parce que. Ah, je me suis remis vite de la dette. Ah, je suis plus qu'à moins 61 000. Seulement. Ça va. J'étais à moins 120 000 donc. Si tu veux, ça change un peu quoi. Par contre, mec, regarde mon prêtre. C'est Johnny Indien. Hein. Oh la vache. Tu peux l'appeler moustache. Oh putain. Oh putain. Et voilà, regarde. Et mec, hop, je suis en positif. Mais t'as gagné la guerre ou pas, du coup? Non, j'ai perdu la guerre. J'ai perdu. Et ils avaient... T'es pas à fond. Oh putain, non. Non, Toble Rech. Il a la peste. Ah non, hein, pas Toble Rech, hein. Pas lui. Oh putain, oh bah il bosse quand même. Ah, pas de pitié pour les vrais. Oh là, mec, la gueule, on dirait une goule, hein. Enfin, oui, il a la peste, mais... Ah bah, il est mort. Putain... Non, Toble Rech. C'est le seul de ton royaume qui avait un avenir, mec. Putain, j'ai envie de crever. Enfin, non, non, non. S'il te plaît, non. Ah, du coup, j'incarnerai Borutesh. C'est ton fils, alors. Pas nécessaire, hein, avec la peste, hein. Garde la peste. Non. Non. Repose en paix, fils du Gondor. Ah ouais, voilà, ouais. Non, je peux pas modifier. Il y a les signes belles lunes et tout. Oui. Hop. Une signe belle lune. Hop, ouais. T'as vu, je vais remater avec Silence de l'audio. Non, ça va. Hey, c'est que Momo, tu les aimes pas. Je suis pas ultra fan. Je crois. Bah, quand j'ai le choix entre. Seigneur des Anneaux et Starship Trooper. Le choix est vite fait. Bah pareil. Ah, c'est vrai que bon, je préfère quand même Starship Trooper. J'ai eu le bouquin il y a pas longtemps. Et alors? Bah tu sens que bon. L'orientation politique du mec. C'est Philip K. Dick, le. Ouais. Non. Non? Si? Non? Non, non, pas du tout. Non, non, ça me semblait. C'est Englane, un truc style. Sharon Lane, attends, Starship Troopers, livre, c'est Robert N. Lane, un truc, ouais, Robert E. N. Lane. D'accord, il me semblait que c'était, ok. Ah non, mais les opinions, elles sont quand même assez tombées. Ah bah oui, mais... Après, je sais pas, c'est là où j'ai du mal, c'est que je sais pas si c'est de la parodie, du coup, ou... Je pense pas que c'est un gros rigolo, hein. Parce que le gars, enfin, genre, il te dit clairement que la société dans laquelle on vit, c'est de la merde et qu'il faut fouetter tout le monde. Donc, super. Mais tu remarques, surtout dans un moment, en gros, tu vois la scène du film où t'as le professeur. Ouais. Qui devient un mec ultra stylé. Et ben lui, ouais, dans le reparti. Bouquin, en fait, t'as cette scène aussi qui est un peu plus longue. Et il explique notre société avant, donc la société qu'on est en train de vivre maintenant. Et tu te rends compte qu'à l'époque où ils sont, dans le bouquin, il n'y a plus de criminalité et tout ça, parce que tout le monde est fouetté et tout ça, qu'il y a des exécutions publiques, il y a des fouettages publics. Et du coup, il n'y a plus de criminalité et les gens sont étonnés qu'avant, bah, les gens n'osaient pas sortir, qu'il y avait des services de police alors que maintenant il n'y a plus de loup. Et du coup, ouais, ça c'est chelou. Genre, cette scène-là, tu te dis, ah ouais, le mec, je sais pas s'il déconne ou non, tu vois. Alors, je tiens juste à dire que, après une bonne guerre, perdue, certes, bah, toi bien. Écoute, principal, hein. Voilà. Et en plus, on rentre dans l'ère du Moyen-Âge. Bon, pour l'instant, on peut rien y faire, mais. Mais on avance.
On est en 908 quand même. Ça avance vite. Je peux encore faire les gains. Enfin, si je peux, mais il faut que je fasse des revendications. Lysander qui dit que le livre est pas du tout satirique comme le film. Oui, c'est juste vénère en fait sur le bouquin. Ouais, le film est pour le coup vraiment satirique, mais. Ah bah oui. Oh, puis là. Ou alors c'est de la satire, mais de différentes façons. Quoi. Ouais. Mais du coup, ils ont vraiment changé plein de petites. Ils ont vraiment changé plein de petites tailles pour que ce soit visuellement plus. Ouais. Plus facile. Mais au niveau des. Comment s'appelle ça? Comment t'appelles ça? Des DLC, il y en a pas encore. Non, DLC officiel, non, mais ça, du coup, c'est une moche, quoi. C'est pas vraiment compté comme un DLC, c'est juste un patch, quoi. Mais non, le seul DLC qu'il y a, c'est celui que t'achètes avec le jeu de base, là, les tenues arabes. C'est tout. Ouais, qu'est-ce que c'est, Pseudo? Merci de passer, poteau. Salut, Pseudo. De toute façon, je veux pas tarder non plus. Mais du coup, Momo, je te le conseille parce qu'il est pas long, le bouquin. Ouais. Ouais, je crois qu'il fait. J'avais acheté en. C'est le premier e-book que j'ai acheté. Je l'ai acheté pour mes vacances. Il m'a coûté genre 4 balles. Et il y avait 150 pages en e-book, tout est-il. Ah oui, c'est vrai. Bah non. Mais tu peux autoriser le mariage, toi. Avant, tu pouvais pas faire ça, là. Enfin, je sais pas si c'est moi qui avais pas l'option ou quoi, mais tu pouvais pas autoriser le mariage et tout. Enfin, poser ton veto et tout, c'est vraiment bien, plein de nouveaux trucs. C'est peut-être par rapport à la culture aussi, non? Ouais, peut-être, avec les Vishnuites, probablement. Non, je peux juste voir un jour. Non, je peux. Hop. Oh mec, regarde Philippe et Chebèche. Oh putain, le vénère. Oh, il est trop bien. Stock. Oh, mais je suis trop heureux. Il veut une stock de ouf, le bâtard. Ben ouais. Mais je suis trop content, mais... Enfin, oh là là, trop bien. Ah, je vais marier une femme. Oui. Il lui faut une femme. Pour une descendante, c'est mieux, oui. Hop, elle est bien, elle. En plus, empathique sans peur, vas-y, c'est bon. Hop. Et recevoir le kéké. Mais quand on voit pas les oreilles, il est legit bien, en fait, son visage. Genre, ça va, genre... Bon, il a un peu un gros pif, mais si tu veux... Ouais, ça, c'est pour sentir les femmes et les ennemis. Bien sûr, bien sûr. On voit pas qu'il peut entendre les ennemis de très très loin, aussi. Du coup, tu vois, si tu mets des traits... Parce que là, j'ai mis des traits un petit peu classiques. Enfin, qui se suivent, quoi. Mais si tu mets des traits vraiment bonne santé et tout, enfin, tu peux aller tellement loin, quoi. Genre à 120 ans, t'es encore... Ah ouais, pépère, ouais, on est là. Alors que bon, normalement, t'es cuit. Moi, les gars, je vais y aller. Ouais, qu'est-ce que c'est, Spider. Une bonne soirée. Et puis... grande vie. Bah, puis à demain, quoi. Dèche. Puis à demain. Oui, ou... Demain, bah, j'arriverai en retard, par contre, hein, mais bon. Le principal, c'est que tu sois là. Bisous. De toute façon, on va finir l'année tranquille, il reste quelques mois, et puis je pense que je vais couper, moi. Ouais. Donc, je suis un peu claqué aussi. Ah, non, mais... Enfin... Attention, je l'ai dit au début du stream. Enfin, non, ouais, mais là, du coup... Mec, le fait que c'est crash, ça m'a vraiment fait flipper de ouf. Mais la nuit dernière, là, je me suis couché à 1h. Bon, bah ça me regarde, mais pas de problème, tu vois. Le problème étant que je me suis réveillé à 3h du mat. Et j'ai somnolé jusqu'à 6h du mat. Donc j'ai quasiment pas dormi. Pour me réveiller à 8h. Ouais. Donc je suis vraiment claqué. Bah ouais. Mais ça arrive. Oui, bah si ça pouvait arrêter de m'arriver,
Ça serait très bien. J'ai fait 6 mois d'insomnie, poto. Oui, non, mais là, le problème, c'est que c'est... je suis pas insomniaque. C'est tout. C'est juste que mon corps, il fait de la merde. Parce que ça m'a... ça m'a coûté, bah, c'est un vitiligo. Donc... À quoi ? Vitiligo. Tu te souviens, quand tu me voyais rage, j'ai des taches blanches sur les yeux. Ah ! Ah oui, bon, non, flemme. En fait, vous êtes malade. Oui, bah oui, en plus, oui. J'ai pas choisi, hein, j'ai pas choisi sur le catalogue. Ah bah moi justement je choisis sur mon catalogue et c'est un nom. Ah, franchement, je pense que c'est la maladie la plus sympa, je veux dire. Oui. Enfin, la après, maladie n'est jamais sympa. Tu mais, pourras avoir un rhume, pas mal un rhume. Sur l'échelle des salopes, c'est pas la pire quoi. Ouais, voilà. Attends, j'ai envie de couper le... Ah voilà. Non, non, j'ai coupé au 2 janvier, c'est pas grave. hop. Ah du coup j'ai eu un succès jusqu'à ce que... Ah non, ça j'avais déjà... Oh, j'ai eu dirigeant redoutable aujourd'hui. Ayez le maximum de redoutabilité. Nice. Eh bien. Mais du coup, celle-là, je la continuerai en stream. Ah, mais attends. Alors, ça fait une sauvegarde dès que je quitte ou pas ? Ah ben, ouais, yes. Ouais, ça fait une sauvegarde, ça fait une sauvegarde. Ça enregistré. Prends-toi en menu principal. Hop. Ah, vous allez le revoir. Oh putain de merde. Oh le plus grand. Oh là 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 là. Oh là 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 là, le monstre. Mec, mon fils à côté, enfin, s'il est rien. Anne, je peux pas lui arriver. Mec, on dirait un gobelin ton fils. Juste qu'il est minuscule en fait à côté de... du monstre. Je vais collecter tes impôts. En tout cas, merci beaucoup d'être venu, vous les copains, sur Discord. Et les autres aussi. Hein. Et du coup, si c'est tu me laissais enchaîner. Non, mais je laisse pas, mais faut. C'est ça. Merci beaucoup d'être venu aussi sur le stream, les copains. Très chouette. Enculé, Eva. Et dites au revoir. Fais des bisous. Au revoir. Bisous. Ouais, ce sera tout. Ce sera tout pour eux, pas plus. On fait avec parcimonie ici. Qui est une très jolie demoiselle. Hop, sur cette merveilleuse blague de moi, je vais mettre un petit son et puis on va aller se coucher. Voilà, j'espère que vous avez apprécié la soirée. Et puis surtout, à demain, parce que ça va être, comme on dit dans le métier, Gucci. Et aussi Royal. Non, demain, ça va être marrant de ouf. Et en plus, moi, je jouerai sur téléphone, ça va être galerie. Ça va être incroyable. Vas-y, hop, Cuscus et YouTube.